je suis Bubuche et d'habitude sur mes lives je parle de nature, de oiseaux, de facs de biologie rigolo et de trucs comme ça. Même si ce matin on a fait que du getting over it et je donnais 1 euro à chaque fois que je hurlais. T'en es où? J'ai donné 40 euros. Quand même, en vrai ça va. Est-ce que tu es over it entre temps? I'm over it. Yeah. Bonsoir à tous, c'est Chantal Latz. Elle perd tout le long. Oh oui, je le déteste. Je suis désolé. Bonsoir, c'est Moustery, Naïf Fan Account, Jarod. J'ai trop de noms, c'est compliqué. Je fais souvent du Twitch, du React, moi, et surtout des tweets. Je suis quand même plus connu pour mes tweets que pour mes streams, mais je fais aussi des super streams. Et coucou, c'est Mama Paprika, je fais je suis dans le Twitch game, je fais du jeu vidéo et je suis également co-organisatrice de l'événement. Mais non. Bonjour Chantal. Exactement. Bonjour, bonjour. Bonjour. Après tout ça, si tu nous sculptes pas Chantal, moi je peux pas, c'est trop dur. Et ben merci à tous d'avoir accepté cette invitation, même des invitations un peu au dernier moment. Faut savoir que c'était moins d'une demi-heure avant. Oui, et faut savoir qu'un quart d'heure avant, je suis derrière chaque streameruse en mode tu m'oublies pas. Parce que mon stress parle et un plaisir. Oui. C'est qui le beau hippo? Franchement, il est trop beau. C'est le mien. Genre, je suis déjà trop impressionnée. C'est celui que j'ai fait l'année dernière. Et il est pour toi. C'est vrai. Oui. Je veux que j'aille le montrer à la cam, que les gens ils voient à quel point il est beau. Mais comme tu souhaites. Let's go. Il se fragile. Mais t'as déjà fait genre de la céramique ou de la sculpture dans la vie où t'es naturellement trop forte? Oh là 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 là. À part ça, premier degré, j'ai regardé toutes les sculptures que Bibi a ramenées parce que du coup, je crèche chez elle et genre. J'étais vraiment en mode, ouais, il est trop beau, c'est trop beau. J'ai la voix de votre pécœur, ça. Et c'est pas la ma pécœur. Non. Ça, c'est maudit. Ouais. Ça, c'est qui a oublié d'ailleurs son dinosaure, ça me brise le cœur. C'est un beau dino qu'elle a fait quand même, maudit. Ouais, on l'appelle Dino in Shape. Dino in Shape, c'est vrai. C'est Dame, la team Furax. Il a un énorme bout là. C'est qui le petit lama cheval? Et en fait, il s'est passé un drame. Je pensais avoir le lama de Lizzie, et elle m'a fait, en fait non, tu l'as donné à quelqu'un d'autre, c'était pas le bon lama. J'étais là, mais la personne était contente de recevoir le lama. Elle a pas capté. Ouais, j'ai pas assuré. Pas du tout. Non, ma mère. Et voilà ce qui s'est passé. J'assume complètement mon erreur. Puis devant un peu spécial aujourd'hui, les gens. J'ai quelques larmes. Font gris. C'est ça. Le titre, j'ai quelque chose à vous dire en minuscule. Franchement, vu l'état dans lequel t'es, c'est quelque chose à vous dire. Vous vous rendez pas compte à quel point la flamme dans l'œil de Bibi s'est éteinte progressivement au cours du week-end. Et moi, je la vois me regarder droit dans les yeux et je la connais bien. Et du coup, je vois genre qu'on peut traverser sa tête juste en plongeant dans ses yeux. C'est formidable. J'ai perdu 5 ans d'espérance de vie. En 2 jours. Mais ça va revenir. Tu me donnes plus. Mais ouais, attends. Je triture, je triture. Tu tripatouilles. Voilà. Alors, et du coup, il y en a qui savent déjà, mais je vous ai menti. J'ai fait une crestasse. Choc barre. Nous n'allons pas sculpter du verre, mais. J'attends la suite parce que. Mais de la bonne cire sa mère. La bonne cire sa mère. De la bonne cire sa mère. Bonjour. Bonjour. On est en live. Hein. Oui, je vous dis bien. Bonjour, Chantal. Bonjour. Ah, c'est pour dire une petite lettre. Ah oui, les gars, là, dis-moi. Faut jouer la science, c'est vrai. Ok, super. J'ai tout entendu, je vais tout dire. Moi aussi. Ah ouais, le chat a tout entendu, le chat est en train de répéter tout. C'est ça. Ça a fuité. Tu dramatique, hein. En même temps qu'être là, je suis censé être bénévole, du coup, j'ai mes tâches de bénévole qui me suivent, même quand je me suis en live, visiblement. Par contre, c'est pas sympa d'appeler les gens des tâches. Ouais. Tâches. De verre, s'il te plaît. Je m'en fiche. Là, va tire sa mère. Moi j'adore. Voilà. Et du coup. Thème libre ou thème imposé? Vous allez voir, je n'ai pas fini ma présentation. Pardon, les élèves dissipés là. Oui, pardon, ça oui. Écoute, on va faire de la cire. En fait, déjà, c'est pas mal. Vous allez faire des petites figurines en cire que je vais récupérer chez moi, que je vais transformer en verre à l'aide d'un procédé qui est super long. Du genre, mettre ça dans un moule en plâtre réfractaire, c'est-à-dire qui résiste à la chaleur. Ah, oui. Vider le moule en plâtre de sa cire, du coup tout ce que vous avez sculpté va être une empreinte. Mm-hmm. Et après je vais faire couler ça dans mon petit four qui peut monter à 1300 degrés,
Mais 940 vont suffire pendant 5 jours. Et puis après, je viens casser le moule en plâtre, nettoyer la pièce en verre, reharceler en DM les streameuses pour récupérer la sculpture. Très bien. Voilà. Okay. J'ai 28 sculptures à faire. Ah, c'est bien. J'ai réussi à faire des fosses. Oh, wow. Et pour le thème, je vous propose plusieurs choses. Oui, ma feuille. Là ? Là-bas. Non, c'est pas un truc là-bas. La faille. This one ? Ah, c'est ça. Ah, ok. J'ai trouvé. Option A. Elle en est au stade de lire son script. Oui, j'ai marqué déroulé d'atelier, présenté les gens. On est là. Non, mais des fois, on oublie en vrai. Dans ça, les... c'est tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait lors de ma table ronde. J'ai la première question là. On va peut-être dire qui est là. Oui. Effectivement, tout le monde. En fait, t'oublies parce que pour toi, c'est tout dans ta tête. C'est logique. T'es fatigué. Ça, ouais. T'es en mode. Comment ça, tu et sais surtout, pas t'as des légendes autour de la table. Tu as déjà vu ces gens. Quoi, les présenter. T'as déjà vu ces gens tout le week-end. T'en as marre. Et du coup, option A, chaque invité écrit le nom d'un animal sur un papier, on tire au sort, on inscrit tous le même sujet de tir au sort, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est ce que tout le monde a décidé de faire, parce que l'option B, c'est chaque invité impose un thème à l'autre, mais en fait, comme les gens ne se connaissent pas forcément d'avant, pas trop, bah, on n'est pas dans ce cadre d'intimité-là, c'est tout sonne pas. On pourrait tous imposer Chantal là-dessous. Ah, bien sûr. Et option C, un cadavre esquisse de sculpture. Ah. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais en vrai, c'est un truc à penser pour peut-être une édition numéro 3, quoi. Ouais. Est-ce que Bubu va proposer des autres vous... Bah, en vrai, c'est... Du coup, quelle option moi, je dirais la 2, ça peut être goofy un peu, ça peut être funny, ça peut être foufou, ça peut être crazy. J'ai le dernier. Wow. C'est quoi déjà le 2? On impose des trucs aux gens? Ouais. Comme vous voulez. Allez, ça peut être goofy. Moi, le 1, ça me va. D'accord. Le 2, ça me va aussi. C'est cool. Ouais, mais si personne veut choisir, après, on va stagner en fait. Non, mais en fait, par on exemple, va se toi, par exemple, Bubu, tu imposes à Jarod. Oui, non, mais j'ai compris les concepts, c'est juste que tout le monde dit moi, ça m'est égal. Moi, je me suis posé. Moi, je suis chaud, on écrit sur les papiers. Allez, on écrit sur des papiers le nom de tout ce monde. Tout le monde a mis sur Vanilla. Très bien. Mais c'est bien. Ça mais oui, non, mais oui. On a les petits papiers. Mais au moins, cette année, j'ai proposé des options aux gens et j'ai appris de trucs. On prend les gros petits papiers, pas les petits petits papiers. C'est comme c'est moi qui ai fait la préparation. L'animal doit forcément exister. Ah, j'ai pas fait le tweet comme quoi on était en live. Mais Bibi. Oh, et Bibi Glass. Bah écoutez, écrivez. J'ai pas fait, mais j'ai plus de batterie. Écrivez le nom des animaux et je fais le tweet. Ok. Bon. Il n'y a pas de suspense. Oui, mais faut, tu dis une espèce très précise. Non, elle écrit juste oiseau. J'allais vraiment faire ça. Non, je veux une espèce. Moi, franchement, ça me va. Si je tombe dessus. Je peux mettre dedans? Oui, c'est la boîte. C'est la boîte au mystère. Pas du tout Dolce Gusto de. Je suis vraiment prise de. Dolce Gustino, ouais, voilà. Des invités de qualité et. J'ai tout vu avec la transparence. La question. Alors, j'ai plusieurs règles ici. Qui est la personne la plus innocente ici? Alors ça. Et à tous les dons de plus de 5 euros plus, si vous êtes consentante et consentant, il faut que quelqu'un fasse une imitation. L'imitation peut être nulle. Bonsoir, c'est Chantal Latsou. Ça va être Chantal Latsou. Non, oui, il faut dire bonsoir, c'est Chantal Latsou, mais avec la voix de la personne qui va imiter, en fait. Pas mal. Et voilà, et c'est la petite règle entertainment. C'est la personne la plus innocente. La personne la plus innocente. Bah ça va pas être moi, hein, j'ai réarmé l'état. Hein. Mais en fait, faut qu'on définisse innocent, ça veut dire quoi? Ouais, voilà, j'étais c'est littéralement quoi, innocent, parce que, gâte, moi. Parce que moi, par exemple, j'ai transsexualisé mon genre, mais néanmoins, je prends aucune drogue et je bois pas d'alcool. Du coup, en termes de péché, je suis haute, mais en termes genre de ce que je mets dans mon corps, je suis bas. Du coup... Ah, pour moi, c'était innocent le cul. Le cul. Non, pour moi, l'innocence... Voilà. Définir l'innocence. Non, mais Bubuche, ça sera toi. D'accord. Allez. Allez, tu la mains. Moi, j'étais chaud d'un débat de 4 heures sur l'innocence. On se trompe de stream. Visiblement, les gens, ils veulent faire de l'entertainment. En oiseau. Mais qui a bien pu mettre ce papier dans cette boîte? Macron. Qui a le foutre violet là? Bizarre. Pas devant toi. T'avais mis quoi, maman? Oiseau. Ah, c'est toi? Mais oui, c'est moi. Ouais, mais oui. J'ai exactement ce que je voulais. Je pensais que tout le monde allait mettre oiseau. Mais bon, moi, je voulais faire un oiseau. Et bah, trop bien. T'avais mis quoi? J'avais mis porc. Ok. Un petit cochon. C'est mignon, je crois. T'avais mis quoi, toi? Moi, j'avais mis un loup-garou.
Ah ouais, bah oui. Et toi, t'as mis quoi? Un héron. Ah ouais, bah je suis content qu'on soit tombé sur oiseau. Oiseau, comme ça, allez. Mais on a le droit de faire un héron, parce qu'un héron, c'est directement tout à fait. Un oiseau. Mais là, on aurait été obligé de faire un héron. Mais je pense que j'ai envie de faire un héron. Mais fais un héron. Mais toi, tu peux faire un héron aussi. Là. Attends, mais quel oiseau? Putain, je vous ai même pas dit tout ce qu'on avait sculpté. Et heureusement, c'est pas retombé, parce que sinon, on serait retombé sur un animal qu'on a sculpté. Oh, il est beau, là, combien de temps? Mais attends, c'est qui a fait ça? C'est moi. Ah oui, d'accord, merci, putain, la vache. Ah ouais. Oh, j'ai eu peur, j'étais là, genre, comment ça? J'ai fait le quiz pour savoir quelle organisatrice je suis, et je suis toi. Ah. Moi, j'ai oublié qui j'étais. Dans la vie, en général, j'ai oublié qui j'étais. Ouf, qui suis-je? Écoutez, les questions d'identité, je peux vous les dire, vous les supposez. Mais du coup, tous ceux à côté là, c'est toi? Oui, mais en fait, mais heureusement, c'est elle. Enfin, t'imagines si ça avait été quelqu'un d'autre que toi, ça, moi j'aurais fait un match, mais le niveau. Du coup, on a eu le poulpe, on a eu l'ours de gauche, on a eu la licorne, on a eu le serpent, le raton laveur et un lamantin. Ah, j'ai bien fait parce que j'ai failli foutre licorne, moi. Oui, c'est pour ça, normalement, je n'ai plus de cerveau surtout. Je dis ce qu'on a sculpté pour éviter de retomber sur le même sujet. Est-ce qu'il y a plus de fils de cuivre que ce qu'il y a sur la table? Non, on est un peu en dèche et du coup, on peut commencer à décapiter mes sculptures. Non! Ouais! Non. Ma mère, j'ai 28 sculptures de mes invités à faire, mes sculptures ne finiront pas en verre. Je peux pas me dire qu'on va. Allez, j'ai déjà. Ah oui, d'accord, j'ai déjà atrophié Nicolas. Ah, Dax! Moi, avec grand plaisir, j'en désole. Y a pas un risque de se faire attaquer par PETA, peut-être? Quelque chose comme ça. Non, j'ai décapité beaucoup de sculptures en live. C'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ça part. De location à Cosima Ruiz. Venez, je suis le goal. Désolé, sa mère. Alors, est-ce qu'il y a des consignes spécifiques? Je vous conseille, avant de commencer à cumuler votre cire, de faire ça, ce petit geste-là. Ça va chauffer vos doigts. De faire quoi? Et chauffer votre cire. Ce petit geste-là. En fait, à chaque fois, écrasez un peu votre cire. Ah, d'accord. Entre vos doigts. Mais du coup, je dois prendre un petit bout. Oui, vous avez des couteaux, vous, et vous prenez petit morceau par petit morceau. Ça a l'air trop bon. Je sais que c'est pas le sujet. Je me suis dit la même chose. Ça a l'air vraiment délicieux. Et pour les parties fines, je vous conseille de mettre du coup du cuivre. Si vous manquez de cuivre, dites-le moi. C'est vrai que j'étais un peu dur en cuivre. Ça me fait surtout si on veut faire du héron, il va nous falloir du cuivre. Alors moi, j'ai dit que j'aimerais bien faire un héron, mais vous n'êtes pas obligé de faire un héron. Si tu pars sur un héron, je pars sur autre chose. Vas-y. En fait, tous des oiseaux différents. Ah oui, c'est oiseau. Le thème qui a été choisi, c'est oiseau. Est-ce qu'on a le droit à des références? Parce que je me... Ah oui, oui. Ah ouais, tu fais ce que tu veux. Alors, je vais faire un cri du Gabon, parce que c'est mon oiseau préféré. Je fais le truc, tu fais ce que tu veux. Je suppose que du coup, tu connais Alex. Non. Ah oui, Alex. Oui, grave. Oui. Je pensais que tu parlais d'une personne qui avait un cri du Gabon. Tu connais Alex? Non, oui, je connais Alex. Je connais pas Alex. Alex est un perroquet très intelligent qui a servi à faire des études justement sur le niveau d'intelligence des perroquets et dont la maîtresse a dû faire des pieds et des mains pour que ses recherches soient financées parce que femme dans le milieu académique qui veut étudier l'intelligence des oiseaux. Bon, putain, le nom de qui s'en fout qu'elle a dû prendre, la pauvre. Ah, j'ai cru que tu parlais de ce que j'ai dit. Moi aussi j'ai cru que t'étais ignoble, genre. Mais non. Elle le raconte et tout dans son livre à quel point elle a galéré pour avoir des subventions et tout le temps. Et le problème c'est que son bouquin il est pas en français. Je l'aurais bien lu en live un jour, mais dans l'anglais. Non, mais c'est surtout c'est pas de l'anglais en soi, c'est surtout traduire. C'est pas du tout la même chose. Dans les jeux vidéo ça va, mais si tu commences à lire un bouquin et tu fais la trad en direct, même dans un jeu vidéo, hein, tu sais, t'es là, en plus c'est clairement le genre de cas où tu vas lire, tu vas comprendre, mais après faire ouais alors il s'est dit ça, tu vois, c'est bon, genre voilà, démerdez-vous. Après moi c'est dans ces moments là que mes études d'anglais elles servent enfin à quelque chose. C'est vrai, t'as fait des études, je les ai jamais terminées et je voulais prof d'anglais à la base et puis c'est pas possible comme prévu. Donc bon niveau quand même. Ah oui, globalement bilingue. Okay. Mais du coup ça me sert pour quand il y a des gens en anglais et ce genre de trucs. Moi c'est trop bien ça, effectivement. Si un jour j'interviewe des gens à l'international. L'international, c'est ton et on parle pas de la chanson. Ah bah on pourrait pourtant. On pourrait, alors que je pourrais parler via téléphone. Et c'est là, je ne connais pas les paroles. Quelqu'un arrive vers toi en disant hablas espagnol, et là t'es là genre c'est vrai que mes années d'anglais ça sert vraiment.
Bientôt l'objectif là. J'ai même pas de base d'espagnol. Comment tu sais l'objectif? Où sont tes dons? Mais je n'ai pas de. Là, j'ai pas reçu de dons. C'est scandaleux. Je n'ai pas de ce mot. Mais j'ai pas mis de. Je crois que j'ai mis 2000 euros d'objectif, du coup, il a été explosé ce matin. Pas là. On est à 98 000 euros sur la cagnotte. Oh, let's go, mon dieu. Mais oui, c'est vrai, on a passé les 104. Non. Bah non. On est à 98 000. Donc on n'a pas dépassé les 100K. Attends. Mais dans mon cœur, on les a dépassés. Voilà, exactement. Ça, c'est ça qui est important. Le cœur de c'est bien parce que l'orgueil, on a pas... Non, on les a pas dépassés. Non, c'est vrai, ça sert rien. Pardon, je suis... j'ai le droit d'être qui, j'ai un fond. Est-ce que tu te sens pas comme une cocotte minute, toi aussi, Mama, ou ça va, ou c'est moi qui gère le stress de manière... Non, j'avoue que je suis genre dans un état, tu sais, t'es un peu en mode genre... Ouais. Tu vas faire un bébé. Genre là, je vais faire un bébé. Non, j'en ai déjà fait un, ça m'a suffi. Le donation goal suivant de Mama, faire un deuxième bébé. Deuxième bébé en live. Au million. L'enfer. Non, mais c'est vrai que quand même, c'est particulier de voir en fait son événement, tu vois, déjà prendre forme, tout ça, avoir vécu l'intégralité des coulisses, avoir mis sa patte, tout ça, c'est quelque chose qui est effectivement comme assez dense. Et en plus, toi comme moi, mais aussi comme Joule, tu vois, qui stream aussi, Cozy qui est partout, Etheria qui est partout, Mylène qui est partout, enfin vraiment. Je sais pas comment elle fout. Ah je ouais, sais, nous, ça fait 6 mois, on sait pas comment. Mais... Fourmi qui a un œil partout aussi, avec 8 heures de décalage. Ah ouais, mais elle, c'est impressionnant quand même. Il est incroyable. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je me baladais un peu dans les locaux, je vois Lizzie en train de dormir à un endroit différent. J'aime bien. Lizzie qui a beaucoup contribué aussi, que ce soit au niveau de des process, au niveau de Lara, tout ça. Ouais, c'est Lizzie qui nous a aidé pour Lara. Ouais, c'est elle était. Et c'est... elle a même pas son nom sur son badge. Non, quoi? Son badge de truc, elle a dû écrire son nom au marqueur parce qu'elle en avait pas à son nom. C'est très bizarre, c'est mais bizarre. Je te comprends. Ou alors il a été perdu, tu vois, c'est pas forcément qu'il a pas été préparé, non, mais en tout cas, non, il a jamais trouvé. Il y a un monde où il a été oublié parce que les pages ont été faites. Mais Fourmi, c'est quand même, pour moi, c'est Fourmi, c'est incroyable qu'il soit autant au taquet avec le décalage quand même. Ouais. Sur le légal. Il est partout, on a des textes béton grâce à lui. Et, moi, ça m'impressionne. Ouais, t'as raison d'être impressionné. Mais vraiment, partout, je vois Etheria qui est partout, Cozy, pareil, au niveau de la com, je reçois que les notifications, je vais pas trop sur Twitter, mais je vois le nombre de notifs, tout ça tweet un max. Genre, ça tweet un max, c'est incroyable. Furax qui a retweeté mes squats, là. Allez, les squats. Ça poste ma ville. C'est tellement impressionnant, et ça... Je pense qu'effectivement, le gros dodo que ça va être, je pense qu'on... Lundi, là, le sleeping. En plus, moi, pas du tout stressant. Mon réveil qui n'a pas sonné ce matin. Toi, t'as eu le coup aussi. J'ai eu le coup hier, ouais. Ça a été... Mais surtout que moi, je devais pas avoir une présence absolue sur la matinale. Moi, c'est ça. Moi, on m'a juste dit, j'ai envie de passer avec mon café. Viens avec ton café, Bibi. C'est ça. Je fais de la figuration, quoi, vraiment. C'est ça, exactement. Tandis que Mama, lance le générique. C'est moi qui suis sur la fiche de présentation. Heureusement qu'il y a Cozy, tu vois, donc au pire, j'aurais pu avoir du retard et elle aurait assuré le truc, mais c'est vrai que bon, dans tous les cas, et j'aime bien parce que j'étais en mode « Putain, Cozy, vas-y, je suis en retard et tout, mais ça va, je vais arriver à 9h pile et tout, très bien, et tout, bon, écoute, faut juste me laisser 10 minutes le temps du waiting screen », et puis elle me dit « Mais tu te souviens pas, en fait, on a un schlag ?» Je suis en mode « C'est vrai !» Donc je suis vraiment arrivée avec la marque du bonnet de nuit et tout, trop bien, Les deux pendant qu'on parlait de Smackie. Je suis arrivée, je t'entendais faire ton horoscope avec, franchement, beaucoup de candeur pour ton niveau de fatigue, je trouve. Écoute, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que ça dit, l'horoscope, du coup? Oula. Je peux juste t'assurer que le mien était sacrément gaze. C'est ça, exactement. Les as n'ont pas été tendres avec tout le monde. Mais ce sont les as, ce sont les fous, je suis déçue. Je m'en suis pris. Les gens qui arrivent à dormir dans un endroit pas habituel, c'est fou, je pourrais pas. Ça dépend l'endroit. Moi non plus. Ça dépend. Parce que même le niveau de fatigue, franchement, c'est très, très... Moi, je me souviens d'avoir... j'étais fatiguée à ce fait que j'attendais un bus
de nuit, tu vois. Et je me disais, en vrai, il y avait des gens, tu vois, il n'y avait pas de soucis, j'aurais pu m'endormir. Mais je me souviens avoir été comme ça, avoir des sueurs, parce que je ne voulais pas m'endormir, parce que c'était pas l'endroit. Mais après, quand tu as quand même un sentiment de confort, de sécurité. Ah, mais hier, j'étais en confort, tu sais, aux heures, mais je me suis couchée, j'avais le cœur qui battait trop fort, l'excitation de la journée aussi, et tout. Et j'ai pas réussi à m'endormir avant 5-6 heures du matin. Ah ouais, moi j'ai quand même réussi à 7h30 quoi. À le faire. Après, je crois que j'ai abusé sur le kawa aussi. Pas trop d'attire. Moi je suis à l'hydration, là. Je suis pas au tonique là. Non, faut que je repasse. Ouais, je pense que je vais passer. Le premier jour où j'ai pris du tonique et j'en ai trop pris et je l'ai senti le soir. Ah ouais, moi c'est hier que j'ai bien senti l'abus de tonique là. Ouf, j'étais waouh. Comme quoi ça marche. Ah oui. Ça marche très bien, ça marche très bien. Il y a évidemment des doses à respecter. N'oubliez pas. Bon. N'oubliez pas, mais aujourd'hui on va passer sur l'hydration pour moi. C'est ça. Il y a pas mal de gens qui nous demandent est-ce que c'est vraiment bien, au lit, tout ça. Mais en tout cas, ça fait partie des marques qui sont les plus transparentes sur la composition. Et qui, c'est assez rare pour le dire, mais marquent, effectivement, parce que ça n'est pas pour tous, que c'est pas recommandé pour les personnes enceintes. Hein. Ah, et ce n'est pas marqué sur l'intégralité des produits des boissons énergétiques. Et c'est un vrai impact ça accélère ton rythme cardiaque, et ce qui veut dire potentiellement du stress. Et ça a un impact, hein, vraiment. C'est pas pour rien qu'on dit aux personnes enceintes réduisez la cigarette plutôt que l'arrêter. Hein. Parce que le stress, ça a vraiment des conséquences catastrophiques sur les grossesses. On dit vraiment ça aux femmes enceintes? Ouais, si. Aujourd'hui, oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... Alors, il faut savoir qu'on est parti du fumer, ça vous détendra, en étant enceinte. Ensuite... Ah bon? Bien sûr. Bah, bien sûr, on recommandait le verre de vin, on recommandait la cigarette. Ah oui, mais il y a très longtemps, non? Bah, si longtemps que ça. Ah, ouais. Ah oui. On connaît des gens de génération qui ont. C'est ça. Nous avons du vécu. Pardon, ça oui. Mais t'as quel âge, Charlotte, toi déjà? Ah, guess. Moi, je sais. Je crois que t'as à peu près le même âge que moi, non? Guess. 24. Très, très près. Très, très 25. Près. Moins, ouais, voilà. I have 23 et que j'ai eu. Non, c'était dans les années 80 qu'on disait, bien sûr, c'est vraiment pas vieux. Hein, on disait. Je pensais que c'était plus vieux. À l'époque, on disait d'ailleurs, mesdames, on disait fumez une cigarette, ça vous détendra, tout ça. Petite peu clos, là. Voilà, l'arrêt, le verre de vin, tu vois. Après, par rapport au verre de. Enfin, à l'alcool. Voilà, si par exemple t'as un événement festif, tout ça, c'est pas un verre de vin qui va avoir une influence sur ta grossesse. Par contre, les alcools forts, cognac, armagnac, tout ça, là c'est niette. Et donc il y a eu la période de fumer, ça vous détendra. Mais parce qu'en même temps, c'était l'apologie de la publicité. Oui, c'est quand il n'y avait pas encore la prévention. Exactement, c'était et vraiment... Et que les lobbies tabac faisaient ce qu'ils voulaient en mode lettre. Oui, ou... c'est vraiment ça. On avait quand même en plus des personnalités publiques, femmes, qui disaient « Non mais pas de souci, voilà, sans faire partie du corps médical. » Et après, il y a eu le stop tout, absolument tout. Et en fait, on a remarqué que ça avait des effets désastreux sur les parents et sur les enfants. Tu m'étonnes. Mais c'est genre le sevrage soudain qui a... Oui, ouais, tout à fait. Si tu arrêtes la clope progressivement quand tu essayes d'avoir un enfant et qu'après, quand tu tombes enceinte, t'es arrivé au moment où t'es sevré, c'est plus un problème. C'est exactement ça. En fait, on dit... Il est magnifique. On dit réduisez. On dit réduisez plutôt qu'arrêter. Oui, mais il me semble aussi que pour les personnes alcooliques ou quoi que ce soit, ou accro à d'autres substances, on leur dise réduisez plutôt que d'arrêt. Surtout l'alcool, parce que si tu fais un arrêt d'un coup, tu peux en mourir, quoi. Bah, tout à fait. Délirium tremens, tout ça. Enfin, genre, c'est... Je sais que le délire de les gens qui veulent se sevrer d'un coup et qui vont en centre de sevrage, la première indication des soignantes ou soignants, c'est... Continuez, vous allez arrêter avec nous, mais vous n'arrêtez pas d'un coup avant de venir chez nous. Ça sert à rien, c'est très dangereux, ouais, carrément. Et point d'exclamation don, si vous voulez faire des dons, allez-y chez moi, c'est le dernier atelier. Après, je coupe. Les ponts. Je coupe la vie. On est la dernière session. Vous êtes la dernière session. La dernière session. Je voulais arrêter à
à 16h et après juste zoner dans le stream des gens. Tu fais très bien, tu fais très très bien. Ma belle, ouais. Mais moi-même, en fait, aujourd'hui, je vais pas stream sur ma chaîne, à part pour genre le rush final, tu vois, parce que je vais faire gagner un... j'ai un petit giveaway parce qu'il y a une... je vais pas citer la marque, enfin, je vais pas citer la boutique parce que t'as pas le produit offert au... ou collaboration commerciale sur ton live, mais il y a une boutique au Japon qui m'a offert des petites choses. Et il y en a deux que je fais gagner, à savoir la, une figurine de Anya de Spy Family. Trop trop chaud, qui dort dans une loutre. Et une... Ouais, dans une loutre géante. Dans les bras d'une loutre et ah pas... Ah oui, oui, voilà, c'est en fait... Oui, dans mais au secours pardon, pardon. Mais nous avons 10 balles de bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Et du coup, bon, c'est la règle des plus de 5 euros. 5 euros plus de dons, une imitation. Ah, les amis. Allez. Du coup, un tour de table. Non, non, quelqu'un fait une imitation. Et soit quelqu'un est super chaud. Moi aussi. Ok, Jarod. Non, je vais pas faire Chantal là-dessus, je promets. Comme tu veux. Non. J'aime bien le. Attends, faut que je me cache parce que j'ai un peu honte. It's a me! Magnifique Mario. J'aime bien parce que c'est ça, c'est ça. J'ai crié exactement la même chose jusqu'au It's a me Mario. Et j'étais mal. Ok, est-ce qu'on est sur Yoshi ou Mario? J'ai rien sur Yoshi. Je le prends. Et nous avons eu 50 balles. 50 balles. Merci. Ça fait 5 zénithes. Non, non, c'est un don. Ah, de, oui. Sinon, si on a... Moi, je peux faire une imitation. Vas-y, fais-nous. Let's go, Baba. Lolay, lolay, lolay. Lolay, lolay, lolay. Je suis à tes pieds. T'arrives tout bien. Contigo, mi vida. Quiero vivir la vida. Yo quiero de la deriva. Shakira, Shakira, elle est tout. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. C'est incroyable, Martha. You man. Voilà. Ah oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça. J'ai trop envie d'écouter. 99K. Oh là là. Bon, j'espère que Shakira est en dans le chat. Et voilà, est avec vous. C'est dans le chat actuellement avec nous. Elle a répondu lolé lolé lolé. Shakira, on a Valérie Damido. Eh. Non mais ça c'est incroyable. Bonne surprise ou pas? Allez. Vous étiez content, content, content. On a peut-être totalement. J'aurais aimé avoir eu le courage. Mais tu pourrais l'attraper après. Mais je crois qu'elle reste un petit peu. Bah oui, reste. Mais j'arrête de te préciser sur elle. Ouais, mais j'étais elle trop heureux. Vous savez, franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, c'est l'icône de mon enfance. Et c'est vraiment l'icône de vraiment beaucoup de gens. Moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, moi, à qui j'ai fait la confidence, qui n'avait rien à voir avec l'événement, forcément. Ils m'ont dit, non, c'est pas vrai. Mais c'est ma vie et tout. J'adore, j'ai trop envie. Et moi, je comprends carrément, quoi. Mais j'ai grandi avec elle. Ouais. Parce que M6, c'était l'une des chaînes, des 6 chaînes diffusées. Donc, moi, j'ai grandi avec elle. Tu sais que demain, je vais voir un pote dont la chambre a été refaite par des gosses. Non, c'est pas vrai. Mais non. Mais non, non, mais hé, ouh, le multivers qui converge ici, j'adore. Il a un Bob Marley géant peint sur son mur. Est-ce que le mur est couleur top au fond? Top au fond. Voilà. Ouais, bon, bah, bon, voilà quoi. Voilà, écoute. Voilà. Bah, il a pas super bien vieilli, mais il est là. Il est là. Ouais, je pense qu'il restera jusqu'au bout, mais c'est trop bien, je trouve vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être un truc par rapport à l'Angleterre chez elle? Il y a des papiers par London Underground. Ah, j'en avais moi. Sachez que je comprends rien parce que j'avais ni la télé, ni j'étais en France quand j'étais enfant parce que je suis suisse. Et du coup, les gens ils parlent de choses et là je suis en mode ah, ok. C'est bien, très bien, très bien. Et c'est une autre culture ici. Vraiment, je suis dépaysé de malade là. Vraiment, vous avez pas une émission qui faisait de la déco en Suisse? Mais en fait, j'avais pas non plus la télé du coup. Déjà non, mais là, il n'y a pas d'effort. Bah, y a aucun... Mais écoute, mes parents étaient des gros. Il n'y a aucun effort, Dieu. Tu peux pas faire un petit effort. Non, c'est un petit peu moins d'exidus.
suisse. Bah, je peux imiter l'accent suisse, mais c'est un peu. J'ai pas ça. D'accord, mais trouve-moi au moins une personnalité suisse à imiter. Baguera, baguera. Baguera, baguera. Non, 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 non. Baguera, baguera. Baguera, en fait, à maman, à chaque fois qu'elle va faire une imitation, ce sera juste. Ce sera des restes de Shakira. Qui dit genre, non, 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 je suis baguera. Ça va être que ça, maman. Ça va être que ça. Bah, bonjour, je suis baguera, tu. Oh, c'est horrible. Elle est pas mal, ma petite patte de poulet, là. Elle est magnifique. J'espère qu'elle ne verra jamais un clip de ça. Bonsoir. Vous voudrez me clac-clac le fifi. Ah oui, le clac-clac le fifi, le fifi, le fifi. Bonsoir. Elle parle comme ça. Bonsoir, c'est Baguera. Non, vous savez, je fais tout. J'allais dire, tu sais, j'ai dit Baguera, mais je pense que, enfin, genre, j'ai... Elle a pas d'accent. Elle a pas d'accent. Mais déjà, je crois qu'elle est de Genève. Non, elle est pas Genève. Bah, ça reste en Suisse quand même. Mais. Enfin, mais genre, à Genève, ils ont quasiment pas d'accent. Non, c'est pas vrai, il y a vraiment un accent genevois. Mais tout léger. Bah, en fait, ce qui se passe à Genève, c'est que. Je sais, on part en Suisse. Allez, bon. Le Swiss Talk. Ce qui se passe à Genève, c'est que c'est vraiment une ville qui a énormément de nationalités. C'est vraiment genre là où il y a le siège international, enfin le siège de l'ONU, etc. etc., etc. Et du coup, bah. Toutes les personnes qui habitent à Genève, genre moi j'ai trois nationalités, genre je peux sortir trois passeports de mon cul si je veux. Attends, t'as plus que française et suisse ? Je suis française, suisse et espagnole. J'ai les trois nationalités. Elles sont laissées pour les autres. J'ai pris toutes les nationalités, néanmoins blanches, et je les ai mises dans mon cul. Dans mon blanche. Non, il fallait rester un minimum colonial quand même, parce que sinon, les privilèges, genre, j'en ai pas beaucoup. Si on peut m'en laisser un petit peu. Dans moins de 700 €, on est aux 100 000. Mais non, mais c'est vrai. Point d'exclamation, donc dans le chat, allez. N'hésitez pas à. Mais c'est tous incroyable, les, genre les... 100 000 euros. S'il vous plaît, donnez 700 euros. Ah bah c'est sûr, on va le savoir, vous inquiétez pas, nous le saurons. Si vous donnez 700 euros, je montre mes seins. Ah non, pas sur Twitch. Ah merde, non. Non, non, tu vas offrir un petit compte OnlyFans au voilà. C'est à 700 euros, j'ouvre un compte OnlyFans. T'as repris l'accent. Tu vas ouvrir un compte OnlyFans. Mais non, comme ça, là, une fois. Non, Oh ouais, ça par contre. Elle confond les accents. Elle confond les pays. Elle confond les pays, elle confond tout. Bon, ça va, ils sont proches. Quand j'étais enfant, je confondais la Bretagne et la Belgique. Putain. Moi, je confondais la Bretagne et les Pays-Bas. Vrai bail, j'ai ma meilleure amie qui, un jour, on était en train de regarder. On est tombé sur TV Braise et elle m'a regardé, elle a fait oh, TV Braise une fois, et je suis là genre mais c'est la Bretagne. Mais vraiment, et si je l'ai regardé, en plus je me souviens, il y avait sa grand-mère dans la pièce, et même sa grand-mère, elle s'est fait spam, quoi, tu vois. C'était dingue. Oh non, celle-là, elle est bête. Tu vois, c'est genre, punaise. C'est ma descendance. Ouais. Il y a un accent breton. Bah, il y a une langue. Ouais, il y a une langue, mais... il y a surtout ça, il y a du breton, ouais. Mais ils ont un accent particulier. Non, et puis, si les bretons ne disent pas qu'ils sont bretons, ils explosent. C'est ça. C'est dans le. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ils veulent piquer le Mont-Saint-Michel. Et si tu. Voilà, si tu parles non, du Mont-Saint-Michel. Non, c'est pas à vous, hein, c'est pas à vous. Et là, je sais que tu fais ça pour créer de l'engagement. Le citron, si c'est à nous. C'est pas parce que vous mettez en concrète que c'est à vous, là. T'as tuteur blue. T'as tuteur blue. T'as des petites. Elle va nous faire un pain chocolat chocolatine après. Putain, on va faire ça avec Twitter Blue là au lieu de gagner 11 balles. Tout... Mais t'as encore Twitter Blue toi ? Mais c'est pour un an qu'on achète. Oh, j'ai lâché 112 balles à Elon Musk. Putain, j'ai fait... 112 balles. Oh, ouais, j'ai 512. Non, mais vous savez pas, mais Elon il a quand même des difficultés à finir les mois. Quoi. C'est vrai. Moi, j'ai voulu être solidaire un peu. Tu vois. Je voulais être solide. Je travaille sur mes applis. Non, mais. Alors, il se trompe de domaine. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé pour que ses parents exploitent des gens en Afrique du Sud. Bah, c'est ça, les rôles, diamants, tout ça. C'est vrai que c'est fallait avoir l'idée. Mm-hmm. Et ouais. Bah, c'était hyper innovant à l'époque. Il y a personne qui s'est dit on va faire ça. Jamais. C'était vraiment disruptif à ce point. Mais si on allait exploiter des gens. Voilà, là, là. Pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, 90 000, oh là 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 là, ça monte. Oh bah, j'arrive pas à lui faire des passes qui soient pas moches. Ça ne sera pas moche. Mais en fait. Dis pas de moi, mais arrête de te moquer, toi. Ça, c'est drôle. Bibiche, c'est super.
Il est parfait, bébé. That's nice. Je vais lui faire un petit trou du cul. Voilà. Ça, c'est les choses qui sont très importantes. Il va avoir un magnifique fessier. Trou du cul d'oiseau. On ne voit pas même, assez. Même sur la peluche que Bébuche a faite, il y a un petit trou du cul. J'ai une bite. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as une patte. Oui, elle est là. Ah non, mais elle est trop belle celle-là. Ah merci, elle est trop belle. Ah merde, j'avais pas vu. Mais en fait, c'est juste que celle-ci. Ça a commencé à clasher. Bah tu sais, j'allais dire genre, bah alors t'as une patte. Génial. Mais en vrai, alors celle-ci, elle est banger. Bah en fait, je pense que je vais essayer quand même de la faire celle-ci, mais. En fait, j'ai envie de faire des ailes ouvertes, mais ça va exploser. Toi, ah ouais, tu veux me copier quoi. Écoute, est-ce qu'on est des prouveurs ou pas ici? Est-ce qu'on est des prouveuses, nous deux ou pas? Moi, je suis une énorme prouveuse. Genre, ici, tout le monde envie de s'ébahir devant ce que je fais. J'adore tellement bien Bibiche. Je l'adore. Oh non. Je l'aime trop. Il est tellement. Il est bien. Tu sais, ça fait un peu genre. C'est le vilain petit canard, tu oui, sais. Oui, je vais lui faire des yeux tristes. Oh mais non, au contraire, parce qu'il sait que... Il sait qu'il est moche. Non, mais il sait qu'il y a pas de glow up, tu vois, c'est genre en mode « Watch me in few years », tu vois, c'est genre là, t'inquiète. Mais vraiment, le je suis pas sûr que les canards ont une projection. En réalité. Complètement, genre, ah bah complètement, une, en vrai. Une transition à un moment. Mais c'est en tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend, hein, je suis désolée de le dire, mais parce qu'en vrai, en plus, tu vois, c'est genre, c'est l'oisillon qui est égaré. Qui se retrouve dans une famille qui ne l'accepte pas, tu vois, il est complètement rejeté et en fait, hop, il trouve dans la queer family et dans la transidentité son bien-être et son glow-up, quoi, carrément. Moi, je valide cette... Le vilain petit canard, Slay. Slay le canard. Slay de canard. Oh là là, on est à 200 balles. Oh là 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 là. On a eu 200 balles. Après, je crois qu'on est à de la vilaine petite canne, ça sonne un peu plus bizarre. Bah, la vilaine petite canne, moi je vois une canne de marche moche, tu vois, c'est genre la vilaine petite canne. Oui, puis il y a le vilain, ce truc, ça fait plus le ti. Quand c'est au féminin. C'est du ça. Coup, il y a un truc où. Vilaine. Vilaine, peut-être canard. Tu traites quelqu'un de chien, ça va. Tu traites quelqu'un de chienne, ça va plus. C'est pas la vieille chanson. Tu traites quelqu'un de chien, ça ne va pas. C'est ce que je disais déjà hier. D'accord. Oui, quand tu dis quelqu'un, t'es vraiment un chien, ce n'est pas un compliment. Non, c'est vrai qu'il y a quand même le truc. Genre, t'es un chien, genre, t'as vraiment fait de la merde, t'es un chien. Une chienne, de suite, c'est attrait, tu vois, à son corps. Mais c'est pas la chanson Fatal Bazooka qui disait ça, genre. Michael Youn, tout. Un chien, c'est un animal. Oui, une chienne. C'est une pute. Voilà. Ah, c'est ça. Word. Bah, ah, bah, j'adore les TDS. Bravo, bravo à ce que vous faites. J'adore les TDS. Dans 30 ans, il y en aura. Moi, j'ai toujours, j'ai au plus. Ah, bah, ça y est, voilà, là, ça s'en met. C'est vraiment trop bizarre d'être dans cette pièce. Genre, c'est vrai. On est coupé. On est coupé du monde. T'as vraiment fait un fou à pied bleu de me demande, Bubu. Oh ah oui, c'est vrai. Ah, pourquoi pas. Il y a quelque chose. J'aime bien les sans cailloux. Et tu as vraiment fait cet oiseau, Bubu. Non, mais il a pas le bec pour. Mais non, ça va vraiment être un canard. Ouais, je pense. Mais un canard stylé. Et oui, les sans cailloux. Ah, c'est Reza qui gueule aussi. Reza, le pipi. Si on sait qu'il va Est-ce arriver. Qu'on a eu un pipi sur le plateau ou pas? Pas encore. Ah, mais l'année dernière, bah, au 50K, quand tout le monde vraiment a hurlé. Il y a eu le pipi du 50K. Il y a eu le pipi du stress, le pipi du What the fuck is happening? Mother, where are you? Bah, ça tient bien quand même, c'est ça, genre. Ouais, bah, franchement, elle s'est habituée aussi d'être baladée par natte comme ça dans des events. C'est un chien rodé. C'est un chien event. C'est un chien event. C'est l'event d'ailleurs. Allez. Tiens, mais en plus, attendez, j'ai enfin retrouvé. C'était là. J'ai enfin retrouvé mon haïku que je lui ai écrit. C'était un de mes donation goals. Et point d'exclamation. C'est qui l'a écrit ce donation goal? Si vous voulez faire des dons. C'est toi? C'est vrai? Ouais. Et bah parfait, comme ça je vais pouvoir te le lire. Allez. Le haïku. Haïku pour Cereza. Sorcière a du chien, quand la magie est au poil, Cereza Cristal. Magnifique. Oh. Est-ce qu'on en a eu un autre avec un animal? Elle arrête pas de me dire ça, t'en as eu un avec un animal, t'en as eu un avec un animal. Et en fait, les gens qui viennent me voir, qui me disent, t'as eu le mien? C'est là, je lui dis, tu l'as signé? On me dit, non.
Ah non, vous le signer ? Tu pouvais. Ah merde. T'étais pas obligé. Pour moi, c'était un mode anonyme. Ouais, moi aussi. Il y a plein de gens qui l'ont signé. Hein. Il y a des gens qui ont assumé. Ah, mais moi, j'aurais décidé une petite tête de ce genre. J'aurais ah oui, non, mais très, très, très mime, ça, vraiment. Moi, j'aurais assumé aussi, en fait. C'est que je pensais que c'était anonyme, c'était pour ça. De ce que j'ai en tête, surtout ceux que j'ai réalisés, j'ai fait 10 pompes en costume de quinquin. Je pense que c'est. Ah, c'est moi, ça. De quinquin ? Ah, de requin ? Oui. D'accord. Ok. Je vois que j'ai c'était des, pour ça que tu t'habillais hier ? Alors, c'était pas pour ça, mais j'en ai profité pour. En fait, à un moment, les gens ils m'ont dit « Ah ouais !» Parce qu'en fait, moi, ma communauté, c'est les quinquins. Oui. Et donc, c'est en rapport avec les requins, mais aussi le mot quinquin, qui est le mot ch'ti, qui veut dire un petit enfant. Ah, c'est ouais. un quinquin. Ch'ti quinquin, voilà. Et bah, comme je suis une daronne, voilà, c'est mes quinquins, quoi. Oh. C'est nous, c'est les quinquins. Et je sais pas plus. C'est vraiment très daronne. C'est la première fois que je te vois autant daroniser. J'admire. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui ressort parfois. On dit tout le temps bravo les lesbiennes, mais est-ce qu'on dit bravo les mamans ? Bravo les mamans, bravo les parents. Pas une photo de groupe sur le plateau. Ah, j'adore, c'est vrai, peut-être qu'il y a une photo de groupe. Bah, ils viendront nous chercher, hein. Eh, attends, je vais envoyer un message. S'il y a une photo de groupe, vous nous dites. Photo de groupe. Ah oui, vous venez nous chercher, on n'est pas exclus dans la salle de sculpture, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est dégueulasse, sinon c'est. Moi je vais dire c'est homophobe, allez. Hop. Ah, mais moi je peux rajouter transphobe, lesbophobe. Let's go. Raciste. Psychophobe, j'ai aussi. Psychophobe, voilà. On va. Tous ensemble, on va cancel Churax. Il y a tout le monde sur le plateau, on me dit. Ah, oh, putain. Allez, on y va. On fait une petite pause. Mais mon père, ok. Je vais vous mettre, je vais vous laisser avec le. Vous voyez ? Oui. On le voit. Mais vous êtes sage. Faut trotter comme ça. Bisous. Ah, mais ma pleine de cire, ma parfaite. Moi, je suis concernée par ce. Mais oui, bien sûr. En fait, on n'était pas vraiment parti, c'était un prank. C'est ça. On vous a bien aidé, hein. Globalement, on va aller se faire foutre. C'est ça. On a raté la teuf. On a loupé le coche. On nous a complètement zappé. Super. Et Jérôme ne reviendra pas. Il a été piétiné mais par la foule. Il est où ? Il est là. Wow. Mais comment vous avez fait pour arriver aussi en avance ? Quoi, t'as été sur la photo, toi, t'as réussi ? Non, pas du tout. L'amour de la sculpture. Mais je pense qu'ils me détestent, ouais. Ah, vraiment, ils vous ont oublié. Bah, après, je comprends, dans le rush et tout. Non, moi, je comprends pas. Mais s'il est contrôlé, moi, je vais faire un scandale et puis. Moi aussi. Voilà. Est-ce que tu es en train de péter un plomb là-bas ? Non, on me demande de l'aide et je dis, pardon, je peux pas faire, moi. Elle est en train d'écrire pour okay, on nous a oublié, on refait la photo. Bah, non. On va faire une photo juste ici, en fait. 100K! Oh, venez, on fait une contre-photo! Ah ouais! Bah, let's go! Vas-y, je suis chelou!
la photo des 100K spéciales sculptures. Et je demande un ratio sur le tweet de Furax. Ah oui, essaye de ratio Furax. Let's go, je tout Et on prend nos sculptures. Ah bah pfff. J'ai qu'une seule patte, moi. Voilà. Allez hop. Voilà. C'est la guerre sur Twitter. Allez. On dirait le vieux clash Squeezie à l'époque. Je crois que j'ai fait un trop gros corps en fait. Alors, ouais Furax, tu veux la guerre? Tu vas la voir. Putain. Il y a deux personnes dans leur gage, genre vraiment c'est le Spider-Man qui se prend tous les bêtes. Sauf qu'il a un gun. Je suis absolument pas président de cette assaut. J'attends le tweet. J'attends le tweet. Hein. J'attends le Alors... tweet. En fait, on dirait Darwin dans. En fait, j'ai pas assez calculé ce qu'il me fallait de cire pour le oui. corps. Du coup. Et bah, sache que je suis sûre que ça existe. Hein, et je suis sûre que cette morphologie existe dans C'est un beau poulet. Il a des pattes un peu comme les bébés flamants roses. Et bah voilà. Et bah voilà. Ça fait un corps qui est tout petit, mais ils ont déjà des pattes beaucoup trop grandes. Ouais. Ils ont pas fait de tweet, mais on va tweeter avant. Bah oui, on va tweeter. On nous a oublié. Hey, il a un petit côté groovy. Moi j'aime bien. Ouais, tu sais, il est un peu genre. Hey, c'est genre là. Tu sais, il est dans le mouvement. Attends, il je vais essayer de le faire tenir. Mais vous voyez Darwin dans Gumball. Mais c'est vrai qu'il ressemble pas à Darwin. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est lui, poisson. Mec, change de thème. Des chaussettes et tout, en vrai. Tu vois, je vais peut-être partir sur Darwin. Je peux me rattraper en faisant Darwin. J'ai réfléchi au tweet. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, exactement. Elle est parfaite celle-là. Allez. Mais si je te revois, c'est une mètre. C'est qu'il est très cunt. Oh wow. Il fait penser aussi au poulet. En tout cas, le BAM pensait au poulet dans Chicken Run. De ouf. Mais la poule étant un oiseau. C'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, une petite poule, hein. Petite poule. À la base, c'était une poule, pour rappel. C'est juste que bon, voilà, elle s'est fait exploser la gueule. Et point d'exclamation, dont n'hésitez pas. Allez, chat. Merci beaucoup. Darwin. Je n'ai pas fait l'enquête sur mon stream, c'est pour ça. Putain, c'est vrai que Darwin, je viens de faire Darwin. Bah, tu sais quoi, vas-y, moi je pars sur Darwin. Il y a déjà Darwin sur son tel. Mais c'est qui Darwin? C'est dans Game Boy. C'est lui dans Game Boy. C'est un petit dessin animé qui est trop adorable quoi. Qui est très drôle surtout. Franchement, faut que je te fasse regarder, tu vas vraiment trouver ça drôle. Ok. Je pense ouais ça. Je connais ton humour. Ouais, c'est Bibi compatible. Ok. Ouais, franchement, c'est très bien. Moi, j'ai trop envie de regarder. J'ai trop envie de regarder Bluey parce que j'arrête pas de. Tu regardes pas avec mon enfant? Non, l'enfant. Mais c'est quelle tranche d'âge, Bluey? Parce que. Bah justement, je crois que c'est très jeune. Très enfant, mais ouais. Les darons aiment bien, apparemment. Mais apparemment, il y a vraiment. Ouais, de la positivité de ouf. Et ça s'adresse vraiment aux parents aussi. Notamment, il y a une scène qui est très. Qui est assez culte maintenant, où en fait, t'as la maman de Bluey qui dit. Qui a un petit peu un postpartum, quoi, t'es genre un peu nerveuse breakdown quoi, et qui se confie à son amie en disant genre je sais pas comment tu fais, toi tout ce que tu fais c'est génial et tout, et elle dit non mais toi t'as un ou deux enfants, moi j'en ai cinq, donc t'inquiète j'ai le skill parce que j'ai l'expérience, et elle lui dit et dans tous les cas you're doing great. Oh. Et ça en fait c'est le truc, c'est un peu en mode genre c'est vrai que malgré tout je fais ce que je peux. C'est cool, effectivement ma fille adore. Bah voilà, c'est une dinguerie d'être parent. Ta fille à quel âge Iseniel, si c'est pas indiscret, ce que je vois dans la... C'est extrêmement indiscret la personne à dire. Excusez-moi, je trouve ça extrêmement indiscret. On vient d'avoir 78 euros. Alab, merci Alab, merci beaucoup. Crunch le verre, exactement. Alab, c'est à 15 et 10. Ah oui, donc c'est plutôt bien ce que je pensais. Moi, j'avais l'impression que la mienne était un peu trop jeune pour ça. Ouais, Gumball. Elle a 5 ans. C'est un peu. Ouais. Non, mais Blue. Oui, Gumball. Ouais. Alors, par contre, petite passion, Teen Titans Go. Teen Titans Go. Ah oui, la nouvelle version. Enfin, oui, vraiment, version beaucoup plus. Mais du coup, il va falloir faire une imitation comme Alab. Qui est pas passé encore? Moi. Mais vu que je remplace Horty, je peux faire Horty. Allez, let's go.
Oui, c'est Horty, j'aime bien Sangue qui est hyper pop, et voilà. Et Sonic. Et Sonic, il court vite. C'est un hérisson. Voilà. Voilà, c'est ce que vous aurez. Là, écoute, Horty, c'est bien toi? Oui, c'est moi, réellement. Horty la vraie. Horty la vraie. Ouais, oui, bonjour, c'est Horty la vraie. Je vends des téléphones portables et aussi j'ai un problème avec ma carte. Vous pouvez m'envoyer votre 500 euros, s'il vous plaît. Tiens, Horty, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je veux pas que tu aies des problèmes d'argent. Regarde, il y a des gens dans le chat, ils sont là. Oh my god, Horty est là. Horty, oui. Bah oui, Horty. OMGod. OMGod. Voilà, j'ai choqué les foules. Je suis venu pour les choquer. Et c'est ça. Au départ, Alav, je me demandais si c'était pas quelqu'un qui voulait faire passer un message, parce que c'est Alav, ça m'a accab, et j'étais en train de dire... C'est quelqu'un de mon Discord et un habitué de la chaîne. Ah oui, ça j'en doute pas, parce qu'en plus, voilà, bonjour Alav, Alav92 pour le coup, et genre, je me disais, je sais pas, oh, l'inogravure, je sais pas, j'essayais de trouver le L, toi, tu sais, genre, all lawyers, bastard. Je ne savais pas. Ouais. Signé Lolelo Adverse. Lolelo. À chaque fois, j'ai oublié mon café en bas. Oh non. Attends-toi de lancer. Ils sont là, ils sont portables. Attends-toi, en plus, t'avais descendu ton café en mode genre, on va se poser. On s'est jamais sans mon café. On s'est posé l'espace de. Une seconde. Et à câble de nos temps, à câble de nos temps. On s'est posé l'espace de 0 secondes. 0 secondes. Ah, on arrive, on a fait allez, salut. C'est ça. Ils ont juste fait. Et genre, moi j'ai juste dit ouais, les gens, on est là, tu vois, t'es genre, on peut juste refaire la photo. Et les gens étaient déjà. Encore. Non, les gens étaient encore assis, quoi, tu vois, t'es genre. Et j'étais en mode. Ok. Okay. Permettez-nous d'aller nous faire foutre. C'est ça. Vu et sans tape. Ça reste bien. Tac. Tant pis. Tant pis. Et ben, on sera pas sur la photo des 100K, on sera sur la photo des 150. Ouais, voilà. Tout. On sera sur la photo des. Ça sera ici. Ça sera ici les 150. Voilà. Que nous deux. Que nous deux. On viendra ici, genre. De fou. Il est super. Du coup, moi, je suis. T'as fait des yeux et tout. Les cœurs tout les. Il est parfait. Il est vraiment pas parfait. Il est incroyable. Voilà, c'est son sourire. Moi, j'aime bien. Oh là là. Vous savez qu'il reste une heure. Il y a du temps. Mais ouais, de ouf. Ah non, mais moi je pense sur un truc. Je suis partie sur un truc. Moi, tous les coups, je vais aller chercher mon café à un moment donné parce qu'il me manque quand même. Mais va le chercher. En fait, vas-y. Non, crois pas. Je peux lui faire un pote. Mais il faut un bisou. Oh ouais. Je vous laisse surveiller mon chat qui est en folie, comme d'habitude. On sent une pointe d'ironie. Non, par contre, ce matin, je voyais vous avec MDSI. Ah bah ouais, tu vois. J'ai fait, oui, mais à partir de 5 euros, on fait des imitations. On va augmenter. À partir de 1 million. On va faire j'ai vu le clip où ça chantait à fond avec Maudie et Lydia là. Trop bien. Des douces voix, n'est-ce pas? Ouais. Des douces voix. Douces voix. Rebecca l'a lancé dans la salle de pause. Genre. C'est vrai. Le clip où MV hurle. Et du coup, il y a tout le monde qui s'est retourné en mode. Quoi? What is happening? C'est censé être l'endroit de chill, quoi. Rebecca, elle a pas dormi de la nuit et du coup, elle est vraiment. Ah bah déjà, ouais, elle est venue ce matin justement nous voir à la maximale avec toi et tout. Genre, c'était lunaire. Bien, mais il faut qu'elle dorme, cette jeune fille. Ouais, mais tu sais. Becca, je t'adore si tu regardes le stream, mais il faut que tu dormes un peu. En fait, je pense qu'elle est, elle est dans ce. Cette vibe-là Non, tu sais, dans le moment où elle sait que si elle ferme les yeux, elle dort pendant 12 heures. C'est vrai. Tu vois, je pense qu'il y a ça aussi. Elle a trop peur de. Enfin, pas trop peur, mais c'est genre, je pense qu'elle craint le coma, quoi, ouais, tu vois. Enfin, parce qu'on lui disait, tu vois, ce matin, on lui disait, mais va te reposer et tout. Il y a un truc, là. Elle dit, non, si je ferme les yeux, c'est fini, quoi. Par contre, elle va faire un dodo ce soir, je vous raconte même. Trop bien. Dodo. Oh, le dodo. Le big dodo. En fait, c'en est un. Non, c'est. Laisse-moi rêver. Pardon. Ils ont vraiment un bec pas du tout. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu au monstre du Loch Ness. C'est ça, je peux pas te explain le dodo. Je ne dis pas, mais oui. Ah, voilà, on est d'accord. C'est le monstre du Loch Ness tiers, une otarie aussi. Mais ça, il commence à prendre sa forme. Ah, j'ai pas otarie, moi. Moi, j'avais otarie au début, mais là, il commence à prendre sa forme. Pour moi, c'est vraiment le monstre du Loch Ness. Par contre, le bec, il est sensationnel. Moi, je suis partie sur Darwin, plus rien à foutre. Bah, t'inquiète, hein, l'année dernière, c'est Marinette qui avait pas fait d'hippopotame et qui a fait son chat. C'est ça, oui, Marinette, elle avait dit, j'en ai rien à foutre. Elle a dit, je peux faire mon chat? On a dit, bah, ouais, moi, je fais mon chat alors. Et puis, il y a bien un endroit sur l'embranchement de l'évolution où les poissons et les oiseaux, c'était la même chose. C'est... Et du coup,
au final. J'espère qu'il y a Camdoc dans le chat et que ça va l'énerver. C'est ça. Pas de Camdoc actuellement. Pas de Camdoc. Ça y est, il a gagné ma peluche, maintenant il a plus besoin d'être là, quoi. Ça veut dire même inspecteur gadget. Eh ouais, inspecteur gadget. Oui, bah, après, il y a des gens qui speedrunnent un peu leur sculpture, mais tranquille, hein, j'ai mon café. Pardon. Non, moi, ça va. Non, mais je suis hyper chouette. Parce... Mais je fais des bébés. Ah bah voilà. Tu veux pas leur faire un petit peu quand même, les bébés. Oh le 55 euros. Oh, le chat de Merci beaucoup. Merci à Donimousse. Non, mais quand on crie, on peut crier en harmonie, s'il vous plaît. Pardon. Longtemps donc j'ai plus. Voilà, je pense que c'était ça valait une imitation, franchement. Est-ce qu'on demande à Gérard Junior de nous rejoindre sur le canal? Putain, Gérard! Et en fait, on avait une surprise encore. Gérard Junior était sous la table depuis. On sculpte Gérard Junior depuis tout à l'heure. Valérie nous a ramené. J'avais vraiment la version dans ma tête où il y a une version remix qui arrête pas de tourner sur le canal. Ah oui, moi j'ai celle-ci. C'est les Vorakels, je crois. Sentier de glou, trou, 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 mais en fait, le dernier boum boum, il part vraiment en très gras et très vénère. C'est ça, vénère, tout, 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 il y a ce remix là qui existe, la version Caillou, t'as le spam en mashup là. Ouais, c'est incroyable. Oui. C'est Dalida. Dalida. Abba. Non, ça... plus Dalida que Abba, mais je me souviens plus. Oh putain. Dalida. Il y a pas Jenny qui veut lancer un live si là sur sa chaîne pour que je puisse le faire. Damido. Non. Damido. Dalido. C'est leur enfant. Ah, on est là. Est-ce qu'ils repartent faire une photo sur lui? Je me retrouve les mains. On va être un plan, quoi. Je vais leur jeter du caca dessus, c'est bon. Je me transforme en mec du Gare de l'Est. Le bruit des trains, ça fait lui. J'en ai plus rien à foutre. S'ils partent une photo sans nous, là, c'est bon. Merde. Bah voilà, je suis reparti sur l'accent. Merde. Merde. Oh merde. Je parle avec le fou du train pour pas qu'il me. Il y avait un peu de temps. Entre le belge et l'alsacien, je dirais. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Mi-belge, mi-alsacien. Alge. Un peu Mais on l'aime quand même. À mi-chemin entre toutes les cultures. Et s'il était full belge, est-ce qu'on l'aimerait quand même, Bibi? J'ai interagi avec Marty, il est full belge, tu l'aimes bien. Ah, mais c'est vrai, Marty. Ah ouais. Ah ben voilà. Ah, mais il y en a des bons, hein. C'est mon voisin dans ma vie. Il y en a des bons. Non, mais moi je connais un jeu. J'ai un très bon ami. De la belge autobie. Ah, bah super, très bien, c'est cool. Et en plus, j'ai un voisin dans le Discord, dans le. Elle est en train de nous faire un « J'ai un très bon voisin belge ». J'ai un très bon voisin belge, c'est tellement ça. J'ai un très bon voisin belge. Elle est en train de faire un AVC, je crois. Dans Minecraft, sur le serveur de Bubuche. Ah bon, notre seul exemple de belge, c'est vraiment juste Marty. Marty Piou. Marty. Est-ce que t'as fait du Minecraft, du coup, Bubuche Sujet sensible. Ce n'est pas une question. Pour Furox. Oui. Non, je peux pas parce que comme je risque de croiser des gens de la commu et qu'il faut pas qu'il y ait de personnes extérieures et tout ça. Pour Pardon, moi j'ai mis les pieds dans le plat, allez. Bah, une soirée, j'avais des trucs à faire de toute façon. Mais je rentre chez moi, j'y retourne. Hein. Tout simplement. Moi aussi. Moi aussi. Ce soir, ça va faire le plus grand rompichage de ma vie, je pense. Ce soir, ouais. Ah, ce soir, il y a... soirée quoi. Ah oui, non, mais tu vas rester là quand même. Mais tu viens plus aux soirées Soirée, hein. Mais moi, si. En plus, je suis une heure à l'accent québécois depuis tout à l'heure, j'ai rien dit. Oui, mais comment ça? Ah bon, on a fait l'accent québécois quand ça? Oui. L'accent québécois, c'est comme ça. Bravo les lesbiennes pour 100! Super belle, je sais pas, je suis partie sur une chanson.
Je suis parti sur un freestyle. Imitation ou il manque plus, je n'ai pas. C'est bon, moi je me suis déjà humilié avant. C'est que j'imite quoi? J'imite quoi? C'est toi qui. Émite Chantal Latsou. Montre-nous. C'est toi, émettez Chantal Latsou, mais je peux essayer. Chantal Latsou, si elle était fumée au Canada. Mais après, tu connaissais pas Chantal, donc je sais pas si tu peux te permettre. Tu parles d'elle comme si c'était genre ta pote sûre et que t'allais rentrer ce soir, tu sais, qu'elle allait faire. Moi, j'ai un truc avec les gens qui appellent les célébrités par leur prénom. J'ai un truc que les gens, parce que c'est pas Chantal là-dessous, tu vas déjà me dire, non, mais attends, tu ne sais pas. Mais tu connais pas Chantal! Tu connais pas Chantal! C'est passé, je suis en mode. Et en fait, la première fois que c'est arrivé, moi, je me souviens, c'était, ma classe était invitée à une émission de radio, où il allait avoir Jean Dujardin, tu vois. Et, on fait ce qu'on peut, c'était quand j'étais au lycée. Et en fait, moi, je me souviens qu'il y avait une de mes camarades qui était là, genre, non, on va voir Jean, quoi. Jean. Et genre, c'est genre, je lui ai littéralement dit, tu le connais? Elle me dit, non, mais c'est Jean, quoi. Tu vois, c'est genre, ok. Enfin, moi, c'est. Non, mais Jean. Et là, complètement choc par révélation, elle le connaissait, en fait. C'était sa cousine. C'était sa cousine, exactement. Jean, la cousine. Jean, la cousine. Jean, la cousine. Pour un pote, c'est barré, et c'est plutôt pour la cousine. C'est ma cousine. Je montre aux gens. Mais que c'est. Et le bébé qui est fait. Ah, mais n'hésite pas à prendre une feuille blanche et à te mettre devant la caméra, et comme ça, tu peux montrer crotte. C'est incroyable. Elle fait un haul. Et c'est toi qui venais de pas speedrun? Il est quelle heure, là? Attends, il reste une heure. Ouais. L'heure du fun. On est devenu trop rapide. Moi, j'ai une deuxième aile à faire, je prends mon temps. Ah, oui, vas-y, c'est incroyable. Hein, vraiment, ce que vous avez fait. C'est le bébé? Non, il faut mettre la feuille derrière. Donc, ouais, derrière. J'ai fait la même chose la première fois, t'inquiète. Ah, bon. Et il a les mêmes yeux un peu globuleux que sa maman. Mais... Putain, la caméra qui fait le focus là. Qui fait le café? Qui fait le café? Elle fait le café. Bravo à la caméra de faire le café. Ah, j'aimerais bien une caméra qui fasse le café. La dite. Elle est au bout de sa vie. Non, ça va. Est-ce que la régie peut amener un kawa? Non, j'ai encore un café. Il n'y a pas de régie en plus. Non, je sais, c'était de la gounette. Il y a quelqu'un qui a dit bubuche, c'est super. Comme d'hab. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Maintenant, enfin, maintenant on nous prend en photo. Enfin, on nous prend en photo. Voilà. Ouais. Maintenant les gens sont intéressés. On nous appelle pas pour les 100 encas. On nous appelle pas pour les 100 encas, mais on vient pour la photo. Attends, j'essaie de trouver. L'angle parfait. Vite, tu me repasses. Nous avons peut-être une maudite sauvage qui apparaît. Attendez, il faut que je sois la plus belle possible. Attendez une seconde. Ah oui, attendez, mais elle vient dans ma main. J'ai personne. Attendez, je sors mes seins. C'est trop petit. Attends, tu vois ce que tu me dis si ma main a cassé les couilles ou pas? Non, mais je vois que là je suis bien en train d'embêter votre live. Mais non, pas du tout. J'adore être présent photo. On est au calme, on parlait de Chantal là-dessous. La 30e fois. Je pense que j'ai réussi. Oh, c'est un. Mais c'est un Polaroid, en plus c'est incroyable. C'est un Polaroid. J'ai tapé. Bah, c'est pas j'ai tapé un sourire quand j'ai entendu le Chantal là-dessous, je vais être comme ça. On est en train de parler Chantal là-dessous. Chantal Yolé, yolé. Chantal là-dessous. Chantal là-dessous. T'es sûr que c'était pas avec nous, avec Zaza et moi, pendant 5 jours avant le Furax, parce qu'on a fait ça pendant 5 jours. Genre le lolé lolé, c'est vrai, le running joke de toute la semaine. Ah non, mais oui, ça, moi, c'est ma passion. On se levait le matin et d'un coup, lolé lolé lolé. Et après, on chantait ça en français, quoi. Je suis à tes pieds, qu'importe quand, qu'importe où. Et en français, tout de suite, c'est moins fun, hein. Moi, je suis à fond. Ah, je suis à fond aussi. Oh, voilà, le porte sur son dos. Ah, j'ai eu une épiphanie. Wow, mais elle peut pas le porter sur sa tête. C'est un petit chapeau. En fait, tout le stream fait une crise d'asthme commune. Peut-être qu'avec, tu sais, un fil de fer que tu lui pends sur le crâne, peut-être qu'il. Ah bah non, il tient très bien. Ou j'ai peur. Mais il est incroyable. On est sur les oiseaux. Wow. Nous sommes en. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, en fait, heureusement que toi, tu fais pas un wasam, parce que en vrai.
J'étais en mode, c'est quand même un peu pas sympathique, ça se voit qu'on fait des oiseaux, quoi, tu vois. Le chat est là. J'arrête ce que t'as. En fait, alors, je vous explique, c'est parce qu'à la base, je faisais un oiseau, mais en fait, il était vraiment horrible, mon poulet. Donc, j'ai décidé de faire Darwin de Gumball. Bon. C'est un oiseau. Maintenant, c'est un oiseau. C'est un poisson, c'est poisson de Gumball. Et voilà, nous sommes en mode de bûcherie pour le dernier ouais, de ouf. Hein. Et en plus, c'est même pas bûbuche, on n'a même pas tiré bûbuche. C'est même pas le papier de bûbuche qu'on a tiré. Et heureusement, parce que le papier de bûbuche, je pense, j'aurais été dans le cac. J'avoue, et rond, j'ai visé trop large. Enfin, je crois trop, non, pas trop large. Ouais, trop spécifique. Mais non, mais c'est dur, mais franchement, moi j'étais. Alors, moi je suis un bisounours, moi j'étais persuadée que tout le monde allait mettre oiseau. Je sais pas, parce que t'es... Moi, j'ai vraiment hésité à mettre Chantal là-dessous. Pour être... Mais après, je me suis dit, si on le tire, tout le monde allait se regarder. Mais évidemment qu'on va pas faire ça, connasse. Moi, j'aurais fait une véranda. Écoute, j'aurais fait une véranda, voilà. Et regarde-moi ça, ma véranda, elle est pas belle celle-ci. Elle vient d'arroufler. Il y a juste Yarod qui rigole parce que les trois autres, on n'a pas la rêve de Chantal là-dessous. Je la tiens ou pas, la Chantal? En vrai, je trouve que tu le fais vraiment. Putain, on a une imitation gratuite là. T'as vu ça? Il y a des gens comme ça, j'aime bien. Je vais essayer de participer. La Chantal Latsou Next Gen, c'est ma main. Et en fait, tout ce qui était un peu voix de tenancière, de bar ou de. Enfin, avec un gros accent parisien, notamment genre, bah alors, toi, qu'est-ce que tu fais là, mon loup? Tu vois, t'es genre, enfin, c'est. Est-ce que tu as tenu un bar dans notre vie? Je pense. Je pense que donc je suis tu la réincarnation du coin et tu virais les mecs à toi toute seule. Exactement. Mais vous savez à quoi ça me fait penser quand tu fais ça? Je sais pas si vous voyez ce jeu Zelda. Oui, oui, oui. Eh ben voilà, alors qu'est-ce que tu veux? Je vais pas cracher des trucs jusqu'à ce que je bouche le trou. C'est après, trop tu ça. Comprends rien la meuf. Regarde ça, le squelette et tout, machin, et ouais. Il paraît qu'il y a des rubis. Et du coup, j'ai juste l'image d'elle quand tu fais ça. Et du coup, Chantal là-dessous, pour moi, c'est la meuf de Zelda qui coupe un poisson. Et j'aurais aucune autre chose. Avec des vérandas. Avec chose près, c'est pas avec loin. Avec des vérandas. Mais ouais, carrément. Non, mais c'est trop drôle. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu veux devenir un Chantal là-dessous. Tu veux une petite bouée? Non, c'est son nom. T'es déjà fan de Nagui. Tu peux pas tous les avoir. Il y a plein d'eux. Je peux changer. Je peux changer. Je prends un 4. Il y a plein d'eux. De quoi? De quoi? Il y a plein d'eux. Et on allait refaire une France Antoine Daniel, mais c'est premier ça. Degré, j'étais en mode. Deux années. Pas mal, mais c'est Darwin là. 100. Mais de quoi? Et on avait fait ça avec des œufs aux deux. Voilà, c'est ça. Oh, regarde, elle est sur des œufs. J'ai jamais compris si c'était scripté cette blague. Franchement, elle est jolie. Oui. Mais toi, il est tellement swag. Il a vraiment un truc de genre décoration de grand-mère. C'est un bibelot. C'est ça, un bibelot. Genre. Un bibelot. Je vais essayer de lui faire une petite collerette. Bibelot. Ah, c'est vrai que normalement, à une heure de stream, je vais faire le petit topo. On en est où des sculptures? On en est où des sculptures? Ender, est-ce qu'on peut placer la mienne, s'il vous plaît? Non, je pense que c'est la plus intéressante. J'ai l'impression qu'on va commencer par tout. Non. Le sale moment sera passé. Belle oiseau. Mais le moment de gloire totale, pas le sale moment. Pardon. Il est trop beau. Mais tu sais quoi, il est pas si moche que ça. Mais non, il est très bien. Mais il a son charme. Il a du caractère. Il est dans son jus. Il a du caractère. Il a du caractère. Non, c'est son dit. Écoutez, il a un sourire. Joli. Elle a des cœurs. Bah, c'est un gigantesque. Plus tard. C'est un peu pas loin. On l'a déjà montré trois fois, mais bon. C'est la mignonnerie totale, tout ça. Bon, un peu globuleux au niveau des yeux, mais tranquille. Ouais, écoute, les armes, les c'est parce qu'ils sont kawaii. Kawaii Disney. Qui fait ça tout le temps, c'est Caillou, je crois. Oui, ah, c'est possible. Oui, Caillou, on l'aime fort, hein, mais elle est insupportable. Mais on l'aime. Mama. Et avec ses fleurs aussi. Avec ses quoi? Qui coupe ses œufs, ouais. Je vais lui faire une queue de fer. Très lisse aussi d'ailleurs. C'est lisse? Oui, c'est très lisse. Mais je vais faire des petits détails. Moi aussi, c'est super lisse, c'est bon. Il y a des coins coupés. Ouais, j'ai vu. Ah, mais non, mais moi j'aime pas un coin coupé. J'attendais pas spécifiquement un coin coupé, j'ai juste tendu une perche, tu en faisais ce que tu voulais. Zaza. Attends, j'essaie de le décrocher du sol. Quoi? Zaza, qui nous a fait. Non, mais Zaza. C'est bon, on sait que tu crèches chez Bibi, c'est bon. Moi, j'ai déjà fait le ABB taille naturelle avec Bibi, je connais. C'est je connais les bails. C'est une aise. Quelle chanteuse. C'est un. C'est une aise. Elle était là pour le vlog autoportrait.
Ouais, mais en vrai, ce que j'ai compris, ne connaissant pas Chantal là-dessous, c'est que du coup, c'est juste une vieille. Oui. C'est une vieille bourge qui vend des vérandas, sans déconner. Et qui dit, bah attends, avec une taille de guêpe comme la mienne, t'imagines que j'en ai soulevé des loulous. Ah. Genre, elle est vraiment comme ça, quoi. Genre, elle le fait sans... elle le fait de nature. De nature. De nature en... Nature, nature découverte. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense dans ce magasin? Bravo tout le monde. Ils ont dit bravo, bravo moi spécifiquement. Oui, c'est aussi. Waouh. Wow. Bon, bravo Zaza. Je suis vraiment la bonne élève. De ouf. Ouais, ben moi aussi, allô, d'accord. Molo, Molo Kaira. Et je rappelle que Zaza a fait les affiches qui se trouvent derrière moi. Voilà. Et, merci beaucoup pour ça. Et point d'exclamation don aussi, n'hésitez pas. C'est les derniers trois quarts d'heure de. Purée, pomme de terre. Après, c'est fini, Bibi Glace, on arrête tout. C'est. Bibi Glace, c'est fini. Elle ferme son compte après. Plus de Twitter. Ferme son compte. Et Bibi Glace est morte après dans 45 minutes. Deux, hein. Morte noyée. J'aime prendre du crack. Mais putain, moi, tout. Qu'est-ce qui se passe tout, là, regarde les casquettes qu'a fait Nem. Mais oui. Elles sont trop belles. Mais je la veux. Mais de ouf. Mais je la veux. Mais elles sont what the fuck, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Ouais, elles sont incroyables. Oh waouh, trop stylé. Mais oui. Oh, c'est Nen qui a fait ça. Qui est pas avec nous, dommage. Mais oh là c'est là. Incroyable tout cela. C'est formidable. Vraiment, il y a une sorte de mash-up total d'accents. Cumulé au fur et à mesure. C'est n'importe quoi. Mais en fait, il est peut-être plus ovale que rond, quand même, le Game Boy. Je sais pas ce que je fais. Le fait que t'es parti sur Game Boy pour que ce soit plus simple, et que c'est devenu genre un huitième cercle de l'enfer en Arrête, c'est super mignon. Il est incroyable. La cire sur la belle table. Pardon, excusez-moi. J'achète des petits plateaux pour protéger les tables qu'on me prête. Et ça fait la zinzi... La zinzinade? La oui, je suis là. Non. Zinzise. Quoi, comment ça, on parle de zinzanie? La zinzanie. Attends, comment on dit? La zinzanie. Faites gaffe, si vous faites un mauvais anagramme de mon pseudo, ça fait zinzanie. Non. Cancel. Non, je sais juste plus parler, en fait. Il faut aligner des je mots. Je ne sais plus parler. Je pense qu'on va l'euthanasier à la fin du live. Carrément. L'euthanasier, vraiment. Il y a une solution. On est peut-être. On va se calmer. Allez, hop. Fini les sponsors. Il n'y a plus rien à faire. Oli, s'en est parti. Oli, s'en est parti. Non, ils sont très contents, d'ailleurs, hein, Oli. Hein. Oli, on vous aime. Ouais, vous êtes délicieux. Ils sont en mode. Holy shit. Holy shit! Ils sont en mode My girl! My girl. Straight from the hood, you know! On est en mode Big Flo et Olivia. Ah oh non! Comment ça? J'ai un pote qui habite à Fougères et il s'est fait un suite straight out of Fougères. Et ça... C'est j'aime beaucoup la vibe. Vraiment, j'ai juste une image de Creep qui était dans les Fougères depuis le début. Tu vois, vous voyez pas ce gif? Genre, c'est quelqu'un qui en plus qui a une énorme calvitie, un col roulé rouge. Et il est derrière une Fougère, il est comme ça. Sur un fond jaune. C'est pas Vladimir Cauchemar. Non, il n'a pas de flûte. C'est vrai que ça pourrait être. Bah, je sais pas, t'as au niveau de la description de ouf, mais non, pas de lunettes, les cheveux longs en queue de cheval, un petit catogan. Catogan. Le stream des accents. C'est vrai que moi, c'est une tier list des pseudos les plus agréables à prononcer. Genre, par exemple, tubercule oursilae. C'est incroyable à prononcer. Je suis tout à fait d'accord. Moi, tube. Maman d'Africa, honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, pipi sans lit aussi. Pipi sans lit. Que des afro-gameuses. Mais écoute, obligée, est-ce qu'il y a un petit truc? Est-ce que la configuration de ton pseudo, tu vois. C'est vrai. Il y a le double répétage et en au milieu. Et voilà. J'aime bien aussi. Pipi sans lit, tubercule. Ouais. J'aime bien Jelly. Ah ouais, vous l'avez dit, je suis choquée. Moi, j'appelle Jelly. Ma taille. J'étais convaincue. Bah non, je suis désolée, Jelly.
He's a big boy. Glittery Glitch, c'est incroyable aussi. Mais le truc de Syllab qui se répète à nouveau, même chose que Bubu, c'est des amis. Glittery Glitch. Flonflon, lui, il a tué le game, c'est bon quoi. Mais c'est vrai que tu vois, déjà avec Mama Paprika, tu vois, mais il y a tellement de gens, je répète, qui n'arrêtent pas de dire Mama Paprika. Non, mais je sais, tu l'as dit ce matin, ça me choque barre toujours. Tout le temps. Mais rappelle-toi aussi au tout début, quand on traînait ensemble, quand aucune de nous deux n'avait percé. Exactement. Moi aussi, je me gourais à chaque fois, j'étais incapable de le dire. Là, ça y est, c'est rentré. Ça y est. Mais c'est pas automatique. Mais en plus, le truc qui est très marrant, c'est qu'en fait, une fois que tu me connais bien, tu m'appelles plus Mama Paprika, tu m'appelles Mama. Donc en fait, tous les efforts que tu as portés sur mon pseudo, t'es en mode genre Mama, et c'est bon quoi. C'est comme ça. Oh, je lui ai fait c'est comme ça. C'est comme ça que la vie au père. Ah, j'avais la scène et moi en tête. Moi, je sais pas ce que je chante, moi. On est sur des compositions originales. Attention, call me. J'ai écrit un haïku, donc je vois pas pourquoi en fait j'écrirais pas autre chose. Prochainement, le drop de l'album de Mama Paprika. Ce serait quoi le titre de ton album? C'est comme ça. Lolay. C'est en vrai, ouais, Lolay. Et que des reprises de Shakira. Que des reprises avec la voix de Shakira. Genre, en fait, tu fais. La voix de Chantal là-dessous. Shakira là-dessous. Fit avec Gérard. Attends, bon. Shakira là-dessous, ferait quoi? Shakira là-dessous. Yale. C'est sur ça, totalement. Non, je veux pas, c'est passé. Shakira, elle chante vraiment avec la patate chaude dans la bouche. Comme surtout, tout vient de la gorge chez elle. Mais vous avez pas vu, elle a fait une interview récemment où elle disait qu'elle n'aimait pas ses anciennes chansons parce que justement elle était trop de la gorge. Ouais, bah en même temps, c'est vraiment que ça. Moi, si je la tiens, c'est parce que c'est ultra guttural quand elle chante, quoi. C'est vraiment que ça. Gutturalement. Moi, j'aime bien aussi ce mot. J'aime bien notamment dire que le chinois est une langue gutturale et puis en fait, qui est une langue littéralement chantée. C'est une langue chantée en fait, comparée notamment au japonais qui est ultra sur le rythme. Le chinois, ça se chante littéralement. Alors que l'allemand, ça se tousse. Je t'aime les gars. C'est drôle ça. Je reprise de Francis Cabrel mais avec la voix de Shakira. Mon enfant nu sur Galolay, Lolay. Mon enfant nu sur les Galolay, Lolay, Lolay. Mais en fait, tu peux prendre n'importe quelle genre chanson un peu calme et tu la coupes brutalement dans Lolay, Lolay, Lolay. Et ça marche. Oui, elle a les yeux Lolay, Lolay, Lolay. Elle a les yeux Lolay, Lolay, Lolay. Ça marche. Ça marche complètement. Ah non, j'ai fait tomber un œil. C'est bon, j'ai récupéré. Anna. Attends, c'est bon, j'ai récupéré. Je finis trop tôt parce que j'ai speedrunné, je vais faire une boule avec ça. Mais fais une boule. Alors, moi, sans déconner, à un moment, on était en train de parler, j'étais en train de tripoter un truc, et en fait, je me suis dit, à quoi ça sert? Est-ce que j'ai pas juste fait ça pour m'occuper les mains? Et en fait, non, c'était pour faire un truc. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le nombre de Ring of Fox. Ouais, avec ça, ouais. Avec ça en la main, et en mode, quelqu'un prend des notes, et là, je regarde mes doigts et je fais. On pense pas à toi. Sache-le, on pense pas à toi. Je peux pas prendre des notes. Mais je trouve que cette texture comme ça, c'est notamment celle qui s'étale comme ça, genre. Je trouve ça très agréable. Ça me fait penser à de la pâte fine. Bah là, je suis en train de tout stimer de ouf. Ouais. Tout à fait. Pour autant, le slime, ça m'a jamais attiré. Ah, ça me dégoûte un peu. Et ça j'aime bien regarder des gens qui touchent du slime. Ouais. C'est quoi le slime déjà? C'est gelé, élastique, tout ça, que tu peux replier, machin, patin couffin. J'aime bien quand ils mettent des paillettes dedans, après ils replient. Oui. Moi, j'aime pas. Je suis en mode, mais vous êtes en train de gâcher le slime. Vous êtes en train de gâcher les paillettes. Mais quand j'étais enfant, vous voyez ces mains là en collant. Oui. J'aimais bien, c'était marrant, mais ce que j'aimais le plus, c'était les nettoyer. Genre j'allais dans le lavabo, je nettoyais mes mains. Tu claquais sur le mur là. Et j'étais content. Moi j'avais ça avec les balles rebondissantes. J'avais ça et genre à chaque fois c'était là, genre dans la bassine et tout. Et elle est propre et t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est trop bien, moi j'aime trop ça. T'avais accompli quelque chose, t'avais nettoyé les mains collantes. Voilà, en plus t'accomplissais les dernières choses. Les mains collantes. Les mains collantes. On aime ça les mains collantes. C'est stream est sponsorisé par Duolingo. C'est ça exactement. Maîtrisez votre accent. Pas ça inaperçu. Mais à ça, là, quand j'ai les sticky fingers là comme ça, j'ai peut-être leur demander un sponsor. En vrai, je leur envoie une petite vidéo là. On est bien. C'est ça. Regardez comment on parle sur le stream d'un bébé.
Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas du tout. The friend of baby. Mais c'est ce que je dis depuis avant, on n'a plus ni sur un accent, ni sur une imitation, on a juste mis tous les phrases qu'on était prononcées. On a juste Jarod, vraiment, c'est tout. Moi, je fais... Just parodying. C'est le nom de ma catégorie, d'ailleurs. Je vais appeler le stream. Tu sais quoi, je vais appeler... Quand je vais restreamer, d'ailleurs, je pense que je vais l'appeler comme ça, mon stream. Just Jaroding, j'aime beaucoup. Envie de Jaroding. Ah, ouais, ouais, j'ai fait un break entre. Enfin, envie de Jaroding. Vous m'avez donné trop envie de revoir la vidéo du Québécois qui explique la différence entre les écureuils gris et les écureuils roux. Ça vous dit quelque chose ou pas? Enfin, ça me dit vaguement quelque chose. Je vous l'enverrai, mais en gros, les écureuils gris, ils sont vraiment. Il les décrit comme vraiment des espèces de soulards qui oublient leur clope électronique. Ah, après, si, je me souviens de ça. T'as pas une pièce. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, j'ai le souvenir d'une vidéo d'un Québécois qui parle d'écureuils, et en fait je crois que je n'ai vu que la partie sur les écureuils gris. C'est pour ça que quand t'as dit la différence, là genre merde, je crois voir, mais en fait non, mais c'est ça. Vu sous l'or, là, j'ai trouvé l'écureuil gris. Il y a un monde où on la trouve ou pas? Je suis curieuse. C'est possible. Il y a un monde où on la trouve, je pense. C'est possible. L'écran karaoké. Je me rappelle du titre, du nom du comédien, mais si tu tapes écureuil gris Montréal, Québec, gris. Ouais, il y a un comédien québécois en ce moment que je me regarde qui tu l'as trouvé ? Non, je pense pas. Qui se met à la place des parents. Tu vois, c'est genre faut retrouver les scènes phares, et il y en a une, tu vois, c'est genre tu le vois, il est en train de lire, il est en train de regarder, et on entend dans sa tête ce qu'il dit, tu vois, il est en genre oh. La voilà qui se dirige vers le frigo pour se mettre quelque chose sous la dent. Je vais mettre plein de mots. Elle va me dire qu'il n'y a rien à manger, et je vais lui dire qu'il y a plein de fruits et de légumes, en sachant très bien que ce n'est pas ça qu'elle attend. Est-ce que c'est ça? Non. 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 Non, c'est vraiment, tu vois, fous l'écureuil dans un parc, en principe, c'est ça, non? Ouais, et TikTok. TikTok, c'est sur TikTok, c'est facile, après sur TikTok, et j'allais dire le type a une bonne tête, mais ça aide pas, comme... Le type a l'air sympatoche, quoi. Franchement, ouais. Non, je pense pas que je vais réussir à la retrouver, j'ose pas aller sur TikTok, je suis pas abonnée, j'ai l'impression que j'ai peur que ce soit la... Sa gueule, là-bas, dis donc. Je m'en fous, qu'est-ce qui se passe? Mais sa gueule depuis vendredi soir. Sa gueule depuis vendredi, voilà. Oui, ça va, ouais. Non, bah au pire, je te l'enverrai, mais c'est juste que l'ambiance ici est tellement posée que ça... C'est vrai qu'on est très posé, ça fait du bien un peu, je vais pas mentir. Alors, il force l'accent montréalais. Ma gourde au littérature, je l'ai encore perdu. C'est drôle même pour nous. Genre l'accent marseillais pour les Québécois. Ok. Comme nous, quand on fait l'accent marseillais de manière super bien, en mode bonjour, je suis du sud. Voilà, j'aime bien le gueux de gueux. C'est genre, je suis du sud. Le sud gueux. Celui-là, je m'y attendais pas, c'est genre le bonjour, ok. La canobiergue. Le poisson. Les batogues. Les batogues, on les aime bien que ça. Myung. Le mang. Marseille. Voilà. Si je vais à Marseille, on me prend pour une locale. Je n'en ai aucun doute. Tu mets ton petit survêt de l'OM. J'étais une fois lancée dans ma vie, je suis rentrée. En fait, le train que j'ai pris en Normandie était climatisé. Du coup, j'ai mis le pied dans la gare, j'ai eu l'impression d'être dans un micro-ondes. Pied ! J'ai eu vraiment le j'ai eu aucune transition entre la clim et direct la chaleur terrible de Marseille. La chaleur de Marseille. La chaleur de Marseille, ouais, la chaleur. Pastaga. C'est terrifiant. On va avoir un plan pour faire un don parce que j'ai pas de compte. Oups. Non, tu peux payer par carte normalement. Ok, oui, alors c'est très labyrinthique, mais il y a la possibilité de payer par carte également. Point d'exclamation, don, n'hésitez pas. Je suis désolée de pas pouvoir vous dire directement comment faire, mais je sais que c'est possible parce que justement il y a Cozy qui a checké. Et qui, c'est sûr, vous pouvez si Cozy a checké, elle a dit c'est bon, c'est ça. Que c'est bon. Tu peux payer en retweet et en live, c'est... Ouais, c'est pas ça. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ma boule là que je... Roule ta boule. Mais il est très bien, tiens, aussi. Je me suis... C'est plus tard, tu pourras voir. Ouais, pas contente. Ah, t'es pas contente. Et là, genre... Ah, c'est une daronne. Voilà, c'est une daronne en devenir, elle est sur ses œufs et tout. Là, c'est une daronne en devenir, c'est pour ça. C'est une maman quoi, Krika. C'est trop mignon. C'est beau. J'aime beaucoup. C'est beau. Maman pas pris quoi, mais j'aime beaucoup aussi. C'est beau. J'aime c'est beaucoup. Beau tout ça. Arrête. C'est beau tout ça.
Non mais c'est la fatigue qui joue aussi. Donc. C'est ça, c'est le RP fatigue. Là. Bah, en vrai, vous avez cette excuse depuis vendredi. Déjà, samedi matin, tout le monde est arrivé explosax. Après, je tiens à dire... arrivé tôt vendredi, en fait, leur gars, on s'en rend pas compte. On est arrivé à 9h. Moi j'ai streamé quand même jusqu'à 4h du matin vendredi, je te rappelle, donc j'étais en effet exténué. Est-ce qu'on est là pour ça comparer? Non. Non, bien sûr. Enfin si, moi... moi je fais la plus belle sculpture si jamais. C'est vrai. Ouais, moi c'est la plus originale. The most satisfying. Ah oui, non, là c'est... Valérie, la caméra. Okay. On est en train de créer des oiseaux. Des oiseaux. Oh, dis donc, mais il y a... Oh, c'est beau l'ours. Ah oui, non, mais ça, c'est son métier aussi, il faut pas regarder. Ah non, mais c'est très, très très beau l'ours, là. Ouais. Merci. Il y a le raton laveur. Mais c'est en quoi? Alors, c'est en cire. Ensuite, ils vont être dans des moules qui tiennent la chaleur. Et ensuite, ça va les transformer en verre. Oui, après, je suis sculpteuse de verre. Ah, et tu pars de la cire. Je pars de la cire, c'est de la cire perdue. Mais que tu teintes en noir avec quoi? Non, la cire, je l'achète déjà comme ça. Elle est au charbon, un peu au pétrole. Elle est extrêmement molle. C'est pas comme la cire des bijoutiers rouges qui est très très dure à travailler. Mais vous êtes tous hyper doués quand même parce que ouais. Toi, c'est pas ton métier là. C'est quoi cette autre chose? Moi, je suis illustratrice du coup. Ah oui, j'ai une notion. Oui, d'accord. Mais parce que moi, si tu me demandes de faire un oiseau. Tu vas pas le vendre le truc, hein. Bah, toi aussi. Je suis sur le site, t'inquiète. Ouais, t'arrêtes. Moi aussi, mais vous êtes tous hyper. Mais toi aussi. Mais toi, bientôt. Moi, je fais ça. Ok. Ah, bah, c'est un autre style. Ouais. On a quitté le thème oiseau ici. En fait, c'est parce que mon oiseau. C'est les Watou. On dirait les Watou. Quand j'étais petite, il y avait. J'ai la référence. Vous avez la ref? Bon, bah, pas vous, parce que vous êtes trop jeune, mais quand j'étais petite, il y avait un dessin animé. Qui s'appelait Watou. C'était le premier dessin animé écolo. Et c'était des petits oiseaux qui ressemblent un peu à ça, mais qui étaient noirs et blancs. Et qui étaient là en train d'essayer d'aider les pauvres hommes débiles à ne plus salir la planète. Mais les hommes, c'est des oies en plus dans le dessin animé, non? Oui. Exactement. Et t'avais bonne rêve, toi. Ok. D'accord. Et ben, c'est super, les gars. C'est bon. Bah, c'est magnifique, hein. En tout cas, bravo. Merci. Bah, merci. J'adore. Merci beaucoup. Bon, bah, continuez bien l'atelier. Merci. Bonsoir Élise. Bonsoir Élise, comment ça va? Oui, c'était Valérie. Ça va super. Ça va très bien. Je suis trop contente que tu aies pris des photos parce que je voulais tellement prendre une photo avec Valérie. Techniquement, c'est la même chose. On a parlé tout à l'heure d'utiliser le prénom des célébrités comme si on les connaissait. Qui fait ouais, ça? Ouais, mais là, elle est là. Bon, là, elle est venue. C'est bon, elle est avec nous. Elle nous a dit bravo, même à Jarod. C'est dire à quel point elle était sympa. Quoi. Le même à Jarod. J'ai trop envie de voir sa tête genre sur la rediff quand elle a regardé ta sculpture. Elle avait une sale gueule, hein, je peux me permettre. Parce qu'elle vraiment, ça c'est super, et ça aussi. Et après, elle a regardé ton truc et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de pouvoir. C'est-à-dire, ça va le devenir, j'aime beaucoup. Tu sais, la formulation. Non, mais quand elle a eu la ref, elle m'a complimenté. Ouais, c'est vrai. C'était une chance. Il faut prendre. Ça va, Élise, il passe un bon moment? Ouais, trop bien. Ouais. Eh ben, c'est super. Mais Élise, c'est Élise qui a fait les photos que vous avez vues, qui vous ont ambiancé pour le teasing et tout, là. Oui, Élise, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra. Qui se cache. C'est ça, c'est Élise, c'était genre, est-ce que Élise est dans la pièce avec nous? Oui, la blanche de Lisa. Les médias n'en parlent pas. Elle est là. Malgré le silence des médias. Élise est bien là. Elle est bien là. Moi aussi. Je suis pas certaine. Est-ce que ce serait peut-être une illusion collective? Une hallucination collective. Une hallucination collective. Et bienvenue en 2012. Oh mon dieu. Le niveau est je pose la question. C'est très 2012 quand même. Ouais, j'aime bien. Ouais, mais les updates sur ce mec font pas trop plaisir. Du coup, peut-être on reste sur sa version. Bah allez, ciao. À part le fait, enfin, je suppose qu'il a une secte, ça c'est sûr. Il a une secte et ce qu'il fait dans la secte, bah, vous pouvez imaginer. Ah, ce qu'il se fait dans des sectes. On parle de qui? De Christ. Ah, mais oui, d'accusation grave. C'est surtout son nom. Je l'ai vu sur TikTok vaguement. Ah oui, sur TikTok. Et vaguement, il avait l'air de faire toujours la même chose qu'en 2012. Alors, en même temps, c'est sa profession, quoi. Mais tout le monde. Est-ce que je peux dire que c'est sa profession? Alors, je crois que. Ton taf, c'est quoi? Ouais, moi, j'ai une petite secte, écoute. En vrai, gourou, c'est un vrai mal. Hein. C'est une bonne situation, ça. C'est une bonne situation, ça, gourou. Je sais pas. Il y a quelques avantages. Ça se discute. Ça se discute. Oh, je suis pas sûr. Putain, ça se discute. Cette émission, pareil. Alors là, oh putain!
je fais semblant de travailler pour avoir l'air cool sur les photos, parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Bah, c'est un peu la même vibe que. Comment ça s'appelle le truc là où. C'est à vous c'est à, non, c'est pas... à vous, c'est dans l'air. Ah non, c'est mon choix. C'est mon choix, merci. Ah, mais c'est mon choix pareil. Hein. C'est mon lolay, lolay, lolay. C'est mon choix. Après, c'est mon choix, c'est un peu plus problématique parce que c'est un peu plus phénoménal. Oui, et puis surtout, les gens sont pas forcément très. À voir, Elise. À voir, Elise. Tout part pas comme ça. Reviens-le, Elise. Elise, t'es super. Change jamais. Reste comme tu es. Slang. On aime bien menacer nos photographes. Je me demande si la catégorie gourou existe pour la déclaration d'impôt. C'est de l'auto-entreprise. Ah, putain, donc en fait, Salomé a un point commun avec les gourous. Il se déclare en auto-entreprise. Je suis en videur. Oui, moi je suis en gourou de mangeurs de verre. Je ne passe pas. T'es gourou du swag. J'ai presque réussi à faire du swag. J'influence les influenceurs à faire du swag. Vraiment. Découvrir une histoire. Découvrir l'histoire. En vrai, on influence les influenceurs à lutter contre le cyberharcèlement quand même. I wish que le message passe chez certains. Moi j'ai été hyper influencé en tout cas. Ouais, j'ai prévu de. T'étais tellement influencé, tu t'es mis à vivre chez elle. C'est dur à quel point t'étais influencé. Non, mais c'est à dire qu'avant Furax, je harcelais des gens quotidiennement. Voilà. Et maintenant, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté. Moi aussi. Là, juste avant de venir vendredi, j'ai fait tomber une vieille. Je l'ai doxé sur Twitter. Et là, du coup, je l'ai recroisé ce matin. Je lui ai fait un petit bisou sur la joue. Je lui ai dit ça va, meuf. Elle était suivi d'une balayette. Faut pas perdre nos habitudes. Bien sûr. Franchement, ouais. Mais ça prend du temps. Une ligne du taux à tenir. Un sevrage trop rapide, c'est vraiment un problème. On l'a dit. Un sevrage. Le type qui fout une balayette et qui se casse en hurlant lolay, lolay, lolay. Lolay, lolay, lolay. Lolay, lolay, lolay. Ça reste que. Ils sont où les trous de nez sur les becs des canards? C'est au-dessus. Assez, voilà, ouais, sur le dessus, ouais, au niveau du nez. C'est proche. Est-ce que tu as vu le dernier Miyazaki? Non. Il est terrifiant, le héros à dents. Oui. Moi, je suis tombée amoureuse de. Du héros à dents? Non, de la meuf là qui réceptionne. De la grand-mère dans sa version jeune. La grand-mère. Non, c'est la mère dans sa version jeune. Non, c'est la grand-mère. Ah oui, la meuf muscle. Bah oui, c'est la meuf muscle. Ah bah oui, mais c'est pour ça. Je me rappelle plus. Muscle Woman. Celle qui a le bandeau qui est dans la mer. Oui, d'accord, voilà. Bien sûr. J'ai essayé d'aligner les mots. Bateau. Moi non plus, j'ai pas vu. Il m'a pas trop tenté. Ouais, il n'est pas incroyable, quoi. Par contre, tout le monde était sur-hypé. Bah, c'est un Miyazaki, quoi. Bah, c'est un Miyazaki. Je suis tellement hypé que j'ai pas autant aimé que j'aurais voulu et j'aurais dû y aller. Bah, il est bien perché. Mais il prend de la drogue ou quoi? Miyazaki, il prend de la drogue. Pourquoi le héros, il a un nez? Il a un nez dans le bec, en fait, et les dents, elles sortent de vous, d'accord. Mais je pense que le problème, c'est pas que c'est perché, parce qu'en fait, si on regarde genre Le Voyage de Chihiro, c'est vraiment très perché, et pourtant, c'est un film qui a mis vraiment beaucoup de gens très d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un truc pas fini avec ce film, enfin, il y a un truc genre où il y a vraiment un truc. Ouais, c'est ça, tu sens qu'il y a la patte de Miyazaki. Qui fait encore un scud à son fils. C'est ça. Regarde, je fais de la merde et c'est un succès. Alors. Et ça fait la cinquième fois que je dis que je pars en retraite et je t'encule. Mais c'est comme, alors peut-être que je vais créer une défense, peut-être. Oula. Mais genre, Kiki la petite sorcière, je le trouve génial, mais la fin... C'est. Je m'en souviens plus. Bah, justement, c'est expédié de ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc, c'est vraiment en mode. Il se passe un truc incroyable, et la scène d'après, c'est Kiki qui est sur son balai en mode genre Youhou, allez, ciao, Elena, tu vois, t'es genre, et qui continue son train de vie, et t'es en mode. Ah ouais. Mais en fait, pour moi, il manque genre ma dépression. Mais c'est tu es seule, tu es triste. Arrête, toi, t'es genre c'est ça. J'ai trop un avis là-dessus. Vas-y. Pour le coup, parce que genre Kiki la petite sorcière, pour moi, c'est vraiment une métaphore de commencer à travailler un métier passion. Ouais. Et du coup, vu que moi je le livre forcément comme ça, vu que bah je fais une sorte de métier passion, je pense qu'en vrai on est beaucoup autour de cette table à faire pareil. Il y a vraiment un truc de
C'est tout le démarrage du truc qui est intéressant, c'est voir de voir les insécurités, de voir comment les choses elles sont, elles se résolvent ou pas, de voir comment faire face. Enfin, tu vois, quand elle perd ses pouvoirs, en vrai, c'est la panne d'inspiration. Ouais. T'as tous ces trucs là. Et du coup, au moment où elle redémarre, au moment où ça redémarre, l'histoire elle est finie. Cette partie de sa vie, elle est finie. Et du coup, il y a une conclusion à l'arc narratif. Et du coup, il n'y a pas besoin de développer plus. Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est quand même frustrant. C'est frustrant. Mais je vois très très bien ce que tu veux dire. En fait, moi, j'avais compris, effectivement, de se dire, bon bah voilà, elle assume, elle continue, tu vois, c'est le genre, et elle se dit, ok, bah je fais avec ce que je peux, et j'y vais. Mais tu sais, c'est tellement aussi abrupt dans le montage. Et moi, j'étais en mode genre... Mais il manque pas de l'histoire, il manque juste un... Il faut savoir aussi comment Miyazaki crée ses films, et il me semble que c'est pour tous ses films, c'est-à-dire qu'il commence son film, il n'a pas la fin de son film. C'est-à-dire qu'il écrit le scénario en même temps, pendant le process du film. Ouais. Ce qui fait que des fois, les fins ne sont pas prévues en fait. Ok, voilà. C'est pour ça que. Peut-être que c'est un peu plus. Sur le garçon et le héron, ça se sent beaucoup parce que le film a duré 5 ans. Et du coup, il a commencé le film sans la fin. Quoi. Et la mort de la mère de Bambi, on en parle ? Trauma, je pense sincèrement que... Ça m'a pas traumatisé, moi je m'en battais les couilles. Ouais, moi aussi un peu. Moi, Bambi, je m'en battais les couilles, mais la mort du lion dans le Roi Lion... Ah, mais par contre, ça... Ah, alors ça, moi non, ça n'a rien à foutre. Moi aussi, rien à foutre. Rien à foutre, des parents qui crèvent. Mais ma soeur, non, moi, pareil. Mais moi, tu vois, déjà, par exemple, Bambi, la dernière qui crève, c'est pas trauma pour moi, mais en fait, je pense à mon enfant qui est ultra sensible, tu vois. Et moi, je me disais que, voilà, c'est foutu, hein. Alors là, la dernière fois, attends... Puis en plus, c'est genre, quand elle pleure et tout, c'est genre, elle vient se caler contre moi, je suis en mode genre, pars, et tout, c'est genre, elle me regarde et tu pleures. Maman, non, je suis là, genre, bah oui, attends, faut bien. Faut bien. Attends, de temps en temps. De temps en temps, ça fait pas de mal, quoi, cette histoire. En vrai, de vrai, c'est bien, je trouve, de montrer à son enfant, enfin, d'éduquer son enfant. À montrer que c'est normal de pleurer. Je sais que c'est trop con ce que je dis. Mais, non, mais, non, c'est pas trop con. Mais genre, je sais qu'il y a plein de parents qui ont vraiment une horreur des pleurs de leur gosse. Genre, qui sont trop mal à l'aise par ça, genre pleurent et tout. Donc ils engueulent leur enfant quand ils pleurent, de pleurer. Alors qu'en fait, pleurer, c'est normal. C'est genre. Très très important, ça libère des choses, c'est comme rire ou autre chose. Oui, c'est important parce qu'en fait, sinon tu n'arrives pas à extérioriser les choses. Monsieur Saint-Combal, merci, Yolay. C'est ça. Je pense que c'est la belle boule. Il y a quelqu'un boule. Qui a dit quelle belle boule. Voilà. Quelle belle boule. On a eu deux belles boules. Belle boule, Shinji. Let's go. Alors, une imitation pour 50 balles. Oh là là, belle boule, Shinji. C'est oui. Allez, boubou. Robin, on va aller dans le... Tu te rappelles les vieux Batman? Non. Robin. Allons-y, mon petit Robin, allez hop. Allons taper sur le méchant. Allez, c'est parti. On se cancre là, ce fou furieux de Joker. Encore lui. Le gogonard. Le gogonard. Vraiment, il a encore fait les filouteries. Il est allé rebeller la lampe. La 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 la. Commentateur sportif. Alors, c'est parti. Ok, c'est parti, je suis Batman. Et je vais aller arrêter le Joker. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est Batman. On va arrêter le Joker. Putain, ça fait vraiment genre... tout le monde là-bas. Tout le monde debout là-haut. Tout le monde debout là-bas. Je pense souvent à cette vidéo. Ah, mais c'est un earworm. Je pense que c'est l'un des premiers earworms. Ouais, genre, mais des fois j'y repense. Là-dessus, genre. J'ai même pas la ref. En fait, c'est durant un téléthon. Il y a un chanteur, Kleiderman, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a dit aux gens, tu sais, t'as ta chanson qui commence et tout. T'es en mode genre, il dit tout le monde debout au téléthon. Il y a évidemment des personnes qui mais sont. Mais c'était les gosses des Kids United, c'est ça? Non, c'est vieux. Ah oui, mais il y a aussi une version avec les Kids United. Ah, moi je pensais à celle-ci. Voilà, ça c'est la plus récente. Tout le monde s'élève, tout le monde danse et tout. Et surtout, le caméraman, qui est ce gros enfoiré, qui a fait vers les personnes en chaise roulante. C'est genre limite un gros plan sur les chaises. Tu vois, mais vraiment.
Quel enfer. Et en fait, non, c'est lui, je crois que c'est Claire Darman qui s'appelle Feldman, François Feldman, merci beaucoup. J'avais le man, mais pas le bon truc. Et je sais pas pourquoi. Alors, je vais avouer, j'avais Feld Up dans la tête. Je sais que c'est François Feld Up. François Feld Up, et je me suis dit, c'est peut-être Claire Darman. Et. Et en fait, le mec, il était en train de s'ambiancer, et là, il dit tout le monde debout, là-bas. Et là, il se rend compte dans ça. Mais en fait, ça, il a fait tout le monde debout. Et en fait, il a vu effectivement plein de personnes en fauteuil, quand tu vas dire des béquilles, tout ça, il avait là-bas. Ou pas. Si vous voulez. Aussi, il y a le. Et on lui souhaite un bon courage. Ah, oui. C'est ça. Je sais plus qui c'était, Carlos qui était mort. Oui, c'est qui était mort. Oui. Attends, on lui souhaite bon courage, une bonne continuation. Un bon courage. Ah oui. Et avec le cut après derrière, et ça repartait en musique, je crois. Enfin, il y a toute une ambiance derrière. Il y a aussi cette vidéo qui a méga tourné, mais du coup qui est moins un truc français, mais de genre pendant les Jeux paralympiques, un mec qui fait du tir à l'arc et qui a pas de bras, et qui genre qui chope sa médaille, et le mec qui lui remet la médaille, genre met la médaille et tend la main. Et il y a vraiment un arrêt sur image comme ça. Mal. Bah en fait, c'est des gestes habituels. J'aurais tellement fait ce genre de conneries. Mais c'est des trucs qui sont effectivement de l'ordre du réflexe. Après, il faut effectivement quand même, enfin genre, je veux dire, ok, je ne peux pas la saluer de cette manière, je vais la saluer d'une autre manière, parce que la personne, en fait, la poignée de main, c'est voilà, c'est le bravo, tout ça. Et si toi, tu fais ça, genre, et que tu t'en vas, ça s'appelle une liste de ouf, parce que ça veut dire, genre, qu'est-ce que tu fais? Alors que si tu fais un dame, genre, c'est pour toi. Moi, tu lui fais un petit hop. Hop là. Je pense que les gens savent faire la différence entre maladresse et malveillance. Et oui, on est d'accord. Tu pars pas dans malveillance. En vrai, moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus, parce qu'en fait, les gens savent pas qui t'aime. Ouais. Les gens savent pas qui t'es, tu vois, c'est genre, c'est pas parce que tu présentes que, voilà, t'es forcément, tu te donnes, mais tu vois, c'est genre, mais quels sont tes pronoms et quel est ton genre, voilà, ils te connaissent pas, quoi. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a certaines personnes, justement, qui sont trans et qui. Il y en a. Fin de la phrase. Sur Twitch, j'en connais. et qui disent, par exemple, qu'il est mégenre, et la personne dit, moi je suis non-binaire, moi je suis une meuf, tout ça, voici mes pronoms, tout ça, machin, hop, il y a même très souvent des commandes dans le chat, et après, tu vois, t'es genre, ah pardon, ok, nanana, ça genre bien, c'est bon. Quand la personne insiste, revient en te mégenrant, ça, c'est de la malveillance. Ça, c'est de la vraie malveillance, et c'est du mégenrage, mais alors vraiment, corsé, voulu, en mode genre, non. Tu ressembles à ça, à mes yeux, donc tu l'es, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En réalité, sur du moins grave, mais c'est intéressant ce que tu dis, Bubuche, il y a vraiment ce truc où, en réalité, on sait, effectivement, quand les gens sont malveillants ou quand ils ne le sont pas, genre, tu reconnais bien si la personne en face de toi, elle est en train de te mégenrer parce que c'est vraiment une personne malveillante ou pas. Et du coup, quand vous mégenrez quelqu'un, que vous corrigez, par pitié, ne vous confondez pas en excuses. Ah ouais, parce que je vois ce que tu veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire sur d'autres aspects. Genre, oh non, j'ai dit un truc raciste, et d'un seul coup, ça devient le sujet de la soirée. C'est ça, vraiment. Horrible. S'il vous plaît, les gens ont le droit de se tromper. Les gens ont. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont encore le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont plus le temps, et je leur en voudrais jamais, en fait. De pas avoir le temps d'expliquer tout ça, enfin voilà, par exemple quand après c'est des contextes, tu vois, si par exemple tu vois, c'est genre ta première question sur mon chat, c'est quoi tes origines, moi j'ai juste envie de dire t'es là pourquoi, en fait, tu vois, t'es là pourquoi, alors que voilà, t'es de dire un truc genre pourquoi t'es foncé, c'est ça, pourquoi t'es noire, attends. Et tu vois, c'est le genre de truc, tu vois, où je sais que ma modération, elle est en mode, en fait, même si la personne a dit bonjour, parce que généralement, c'est bonjour, les gens vont dire, genre, écoute, c'est clairement pas le truc que tu vas aller dire en soirée, enfin, voilà, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, en fait, pour moi, un chat Twitch, c'est une soirée où t'es, qui est en libre entrée, tu vois qu'il y a des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, peut-être qu'effectivement, la personne qui hoste la...
la soirée, tu la connais ou pas. Et en fait, il y a ce truc de, est-ce que dans la vraie vie, tu irais voir, par exemple, je viens chez toi, t'es une meuf ? Enfin, littéralement, quoi, tu vois, est-ce que je veux dire ça ? T'es genre femme ? Genre, tu viens d'où ? Bah déjà, bonjour, t'es chez moi, quoi, tu vois, enfin, genre, c'est ça, et c'est que des trucs comme ça, en fait. Et les gens disent, oh, bah c'est bon, le prends pas comme ça, et t'es là, genre... Moi, je te connais, toi. Je te connais, app, en fait. Enfin, genre, c'est exactement Adam et Ève, les cochons, tout ça. Là, ça ils ont été élevés avec d'autres personnes. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que c'est un truc qui revient très rapidement. Après, c'est j'ai une pote qui répondait à ça, et en fait, elle venait du sud de la France. Enfin, je viens du sud. Un bled complètement paumé, et quand les gens lui demandaient tu viens d'où parce qu'elle est noire, ouais. Elle répondait ce bled-là. Bah, ouais, bah, j'aime là, en fait. Et du coup, les gens étaient un peu en mode poisson rouge, voilà, de... ça s'attendait pas à ça. Bah ouais, en vrai, c'est ça, parce qu'on assume trop encore aujourd'hui, alors que bon, ça fait quand même un petit paquet de temps qu'il y a des noirs en France, tu vois, tu sais, genre qu'il y a des gens racisés, enfin... Et puis, est-ce que même si c'est la il y a des noirs en France, il y a des trans et il y a des noirs en France. Et puis même, est-ce que c'est genre la première question que tu veux savoir sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on... La première fois, on s'en fout, en fait. Mais moi, c'est ça, enfin, aussi, d'ailleurs. En plus, je trouve que c'est tellement de l'ordre, enfin, pas de l'intime, mais de genre, il y a une déjà connivence et tout. Enfin, genre... Alors que demander, est-ce que tu connais Chantal là-dessous ? Ça moi, je trouve que c'est un très bon brise-glace. Ça, c'est une phrase qui me plaît. Vraiment. Ça, c'est un petit brise-glace. Que demander les origines ou que demander si tu connais Chantal là-dessous. C'est ça. C'est même pas genre, on est à gauche ici ? On connaît Chantal là-dessous ici ? Est-ce qu'il est à gauche, Chantal là-dessous ? Je suis pas sûr, non ? Franchement. Elle est humoriste, elle fait des blagues de gauche ou de droite ? Mais j'ai pas assez regardé. Ah, c'est une humoriste. Bah, ah oui, c'est une humoriste. Oui, c'est une humoriste, la chanteuse. J'ai fusionné des animaux. Voilà. Wow, a shimmer. Oh. A new shimmer. A new shimmer du drop. A new shimmer is good. Et moi, honnêtement, je suis... bah fière. Voilà. Je suis un peu fière. Il est... On dirait une mascotte de quelque Poppy, chose. Poppy, Poppy... Je comprends pas, mais j'aime bien. C'est super. Franchement... C'est pas dégueu, j'ai fait un beau gamble. Disons qu'il y a un aspect contemporain. D'accord. Qui questionne sur la saucisse. J'en peux plus de temps. Vraiment. Il y a un aspect contemporain. Tu sais, tu pourrais trop être, tu sais. Je vais faire valer. Genre chroniqueuse, tu sais, dans des émissions, tu vois, tu sais, genre un peu. Alors, comment ça s'appelait ? C'était sur France 3 et ça parlait un peu des trucs de société dans une ambiance un peu tamisée. Ah, c'est pas truc un peu boudoir, un peu lecture. Exactement, mais ça c'est tellement ça, quoi. J'avais plutôt un truc de dans l'atelier des Bibi Glass, Jarod a généré un gumball. C'est ça, mais c'est trop bien. Mais genre, je trouve que ton phrasé là, c'était tellement ça. Bizarre, on dirait que j'ai fait du voice training. C'est ça. Putain, on pèle ta boule. En plus, genre, j'ai vraiment. Je féminise pas du tout ma voix parce qu'en réalité, ça m'a cassé les couilles. Mais j'ai quand même appris les trucs du voice training, du coup j'arrive à faire des trucs de voix, et genre par exemple j'ai appris à mieux chanter en faisant du voice training, ouais. Mais du coup j'utilise pas juste ça à des fins genre transsexuelles, genre j'ai juste des dessins, des fins et des dessins transsexuels. J'ai des dessins transsexuels. Non mais j'ai deux seins transsexuels. Oh ouais. 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 Black of the Church. Blague de tchouch. Blague de tchouch. Vive les grenichons. Les grenichons. Comme les ballons. Ah bah ouais. Non, putain, on l'a chanté ce matin pour la Matisse. C'est l'hymne. C'est l'hymne, tout simplement. C'est l'hymne. National. Mais oui, Zaza a une chaîne Twitch et je la poussais un peu. Enfin, elle m'a dit. Bah, c'est pas sympa de la pousser, c'est horrible. Ouais, ça fait mal en fait. J'en ai pas. Actuellement en train de la pousser. Je vais pousser Zaza. Pour qu'elle, dès que je vieillirai, je serai dans les orties, je vous préviens. J'espère que le chat est content. Mais pourquoi ? Mais vraiment ça a pas une voix si aiguë que ça, quoi. Tu parles. Alors c'est menti. Non, on peut la voix aiguë pour tout. Non, mais c'est pas oui. Non, en fait, ce qui se passe, c'est Macron. Oui, bonjour. En fait, j'étais méga stressée cette semaine avant l'event, bizarrement. Et du coup, pour un peu me rigoler de moi-même, et Zaza aussi, on prenait cette voix-là en mode « Oui, je suis pas stressée, tout va bien !»
Mais du coup, on... C'est devenu la voix de Horty. C'est devenu la voix de tout le monde, en fait. En fait, on a enchaîné des imitations, mais où juste on savait pas faire des imitations. C'est ça. Du coup, on a arrêté, on a juste pris cette voix et on a dit « Oui, je suis Nicolas Sarkozy je vis le temps des tempêtes !» Je pense que Horty, tu peux prendre juste une voix de Mean Girl parce qu'elle a fait Mela Knight. C'est juste des bimbo corps en fait. Voilà. Et le téléphone qu'il y avait son monteur ou elle qui monte, je sais pas qui monte pour ces vidéos. Mais il y avait toute une love story. J.K. Rowling pétasse. J.K. Rowling pétasse. Pétasse. Iconic. Et regardez, c'est utile en plus, on peut s'en servir. Mais tu lui as fait un socle. Ça, ouais. C'est pas mal. Mais c'est trop bien. Non, mais en vrai, c'est trop une bonne idée pour assurer la stabilité. Très très bonne idée. J'adore. I love it. Mais le nid et le socle. Manger gigantesque neurone. J'ai nettoyé la cire sur le plateau et comme ça, ce sera presque propre quand tu vas le récupérer. Ah, mais je comptais même pas les nettoyer en fait. Elle va les jeter. Mais merci. Mais c'est kiffant de le faire. Pas de gâchis. Pas de gouache. Ah non, je comptais pas les jeter. Je comptais les stocker sous mon four. Et les manger. Et non, il est ressortir à prochain atelier sculpture, tout simplement. Manger les plateaux interdits. Manger les plateaux. On est d'accord, c'était une blague de moi à la base, le manger le verre. Oh wow. Ah, attention. Alors, je vais... Non, en fait... Oh my god. Ça a dû être dans les premières à le faire. Scandale. Mais ça vient de plusieurs... En fait, ça a été un truc assez... Je parle pas de scandale. C'est assez général, en fait. C'est organique. Oui, c'est vrai que ce truc de manger la lave et manger le verre, ça... Ouais, et du coup, beaucoup de grands esprits se sont rejoints là-dessus. Bah, t'as été dans les pionnières. Mais... J'ai toujours cru que c'était quelqu'un dans ton chat qui était venu te voir un jour et qui a dit mais qu'est-ce que tu fais ? Et je crois que t'avais dit j'en mange. Ça bouffe du verre. J'ai cru que c'était ça. Non, mais vraiment, c'est juste ce truc. Je sais pas si vous voyez des vidéos de lave en fusion, il y a toujours des gens dessous en mode genre ah ça donne envie de le manger. Oui. Bah, en fait, si vous êtes déjà retrouvé devant un pot de peinture à dispersion, enfin genre la peinture blanche là, moi vraiment ça me fait des yaourt vibes, j'ai envie de plonger. Ah ouais. T'as mis yaourt ? Ouais. Non, mais t'inquiète. J'en suis à mon 10e depuis le début du week-end. Ah, oui, ça va être bien. En fait, il y a un stock de yaourt, genre dans la bouffe de Furax, qui est genre gigantesque. Et je sais que je suis la seule personne qui les mange. Moi, ouais, j'ai pas tapé tant, j'avoue. Non, il y en a un qui a disparu, qui est pas moi qui a pas été mangé. C'est toi, maman. Elle compte. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, elle compte les yaourts. Non, mais dire s'il faut repartir avec d'ailleurs, je pense qu'on peut prendre la moitié Zaza et. POV, tu parles avec la folle des yaourts pour pas qu'elle te les vole. Genre, vraiment, je prends les yaourts. Vous aimez les yaourts ? Ouais ! Et bah, ça tombe bien, je n'aime pas Zaza, donc tu es safe avec moi. Il reste 8 minutes. Ouais, moi, je fais un petit objet pour lui donner. Je vais lui faire une petite alter. Chez moi, tu pourras finir ton perroquet à temps. Mais je pense que je vais pas le finir. C'est vrai. Tu veux pas ton perroquet en verre ? T'as pas vraiment besoin de le couler, t'as déjà 28 trucs. T'as pas besoin de le couler. Je peux venir dans ton atelier quand je veux. Ok, mais c'est vrai qu'en plus t'aimes pas les trucs, les bibelots chez toi qui traînent. Ouais, c'est ça, genre. J'avais fait un truc en verre, il s'est juste cassé sur la table de la cuisine. Ah mince ! Bah c'est pas grave. Non, mais elle me l'avait prédit, elle m'avait dit. C'est ce qu'elle disait. Tu sais que le gardien de plante que tu m'as offert pour mon anniversaire il y a déjà des années, il a survécu à 3 déménagements, il est toujours pas cassé, il en a eu encore dans ma plante. Et là, la qualité chez Big Glass. C'est exactement ce que j'allais dire, signe de qualité. Merci pour les 2€. 2€. Attendez, je vais lui donner une petite... Attendez, je vais montrer vos sculptures. Regardez, je lui ai fait une petite halter que je vais lui donner. Son bec. Encore. Ah ouais, mais t'as pas le temps, toi. Mais il reste 8 minutes. Bah ouais, c'est bon. Moi, je suis prête. J'ai même nettoyé mon espace de travail. Moi, je... On est deux types de bons élèves différents. Je suis un peu fier, voilà, je tiens à dire. Je sais qu'il... Jarod, c'est l'élève spécial. Est-ce qu'on peut avoir Valérie qui revient? C'est bien ça. Je vise bien. Moi, je vais avoir besoin de la feuille, hein, parce que moi, je veux ça. Hein. On peut avoir une feuille. Est-ce qu'on peut avoir une feuille? Soirée. J'allais dire vodka, je voulais dire soirée accent, j'ai dit soirée vodka. Soirée vodka. Sur le socle. Oh la vache. Oh l'équilibre est incroyable. C'est tyrannique. Mais non. C'est une bite. C'était ça, tellement sans méchanceté, c'était tellement pire que si elle l'avait dit en voulant blaguer dessus. C'est bien ton thème.
C'est une bite. C'était une haltère. C'était une haltère. Oui, j'ai reconnu. Tu as un en live. Mais attendez, je peux faire une tub si tu veux, mais. Non, mais je demandais et je. Sur Twitch. Bah, si chier. J'en fais une en cire, je pense que ça passe. Bon, tout à l'heure j'ai fait des culs, hein, donc. Oui. C'est bon, bah, c'est fini les lives, j'arrête. J'arrête Twitch. J'arrête attends, Twitch. J'ai pas fini. On fait une tub. Oui. Cette mais attends, mais je sais, regarde. Mama. Ouais. Oh, t'as fait plein de détails, c'est trop cute. Non, mais Mama, elle est à un niveau. Et en plus, je vais pouvoir le couler par là. Ouais, j'ai tellement peur qu'il tombe. C'est ma petite. Je sais pas. Tu montes mon perroquet quand même. C'est ma petite poule d'eau, on va dire. Ouais, je vais ça ça fait très poule d'eau, j'ai l'impression. Et Coralie, je peux le rouler par là et tu vas pouvoir regarder pas mal de détails. Je suis assez contente. Trop bien. Et... mais non, mais toi. C'est un cul. Non, mais. Twitch. Cachez vos enfants. Cachez vos enfants. Cool, là. Genre, au cas où le cul les attaquerait violemment à travers les fronts. C'est des bits trop beaux, genre. Je mets ma main. Ah ouais, je veux bien, en vrai, vas-y. Il est magnifique. Bah, en vrai, ça fait un. Oh là 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 là. Il ressemble un peu plus à un aigle quand même. Oui, il est très aigle. Il est trop beau, je suis jamais. C'est juste le cul. La queue. La petite queue. La petite queue. Ah, parfait. Il y en a un qui a fait un kiwi. Qui fait un kiwi. Qui a fait un kiwi. Ah, je pense que ça va le rond du muscle. C'est une boule. C'est juste une bouboule. Ah, Rosaza, j'ai envie de voir le final. Eh ben non. Mais si vous voulez me commander une illustration de perroquet sur twitter.com/zazizani. Et voilà. Ça, y en a ou pas? Ça, c'est l'autoplug. Franchement, il y a tellement pas mon nom sur les illustrations des invités que franchement, bah non, j'ai le droit à un petit scandale. En plus, Vivi, elle a fait tous les tweets sans mettre dessiné par Zazie Zani. Tu l'as fait. Il y en a un où elle l'a fait. Mais en plus, je lui ai dit, tu mets bien ta signature hein, sur les affiches. Mais j'aime pas mettre des grosses signatures sur les affiches, c'est pas juste. Pas une grosse, mais une énorme watermark. Bon, Zazie. Alors, je revois chez qui. D'ailleurs, merci d'avoir été là. Bah, pas de soucis. Mais de rien, voyons. C'était un pur plaisir. Ma canette perso, parce que c'est mon dernier film qui s'élève donc à 4707 euros. Ma canette perso en bio. Attendez, est-ce que je peux exploser mon perroquet pour la Bah, allez. Oh, moi, je suis d'accord. C'est mon côté chaotique. Merci à vous, les viewers. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons. Merci à. Merci, les dons. Merci à Furax. J'ai l'impression de me remercier moi-même, c'est un peu bizarre. Ouais, merci moi. Merci présidente. Attendez, on envoie chez qui? Qui stream encore qui? Bah là, il doit avoir tout le monde quasiment, je pense. Oui, il y a tout le monde qui doit live. Tout le monde, tout le monde. Moi, je vais faire un nouveau Tikawa et ça va streamer. Tikawa. Sur une chaîne. Okay. Ouais, Tikawa. Nous avons Bazek, mais Bazek, il est déjà raid, je crois. Ah, est-ce que j'ai déjà raid Bazek? Je sais pas si tu la raid. En vrai, ça mange pas de pain quand même. Allez, hop là, lancer le raid. Non. C'est une tentative de suicide. Ah, je veux bien vous marquer vos petits noms. Ok. J'avais marqué comme si c'était des enfants. Vous pouvez marquer vos petits noms sur les petits post-it. Et vous. Bon, je pense que le mien est devinable après, mais. Merci à tous, c'était trop chouette. C'était trop bien. Vous pourrez squatter des streams de manière aléatoire et pas prévue. Furax, ça continue jusqu'à 21h. Des bisous. Soyez sages, c'est chez Vanzek. Ton billet, attention, c'est vendu. Ah merde, on a refait cette blague ce matin aussi. Alors, de quoi? On a refait cette blague aussi. On se vendu. C'est perdu. On est en train de radoter, je crois. Est-ce que vous êtes juste sous?